me trouve un Mesa, en sachant que c'est l'un des biomes qui me reste à faire. En vrai, je pense que explorer, là, c'est le meilleur bail que je peux faire, en fait. Parce qu'en explorant, je trouve le dernier biome qui me manque. Quand je suis dans le Mesa, je peux miner tout l'or du Mesa et donc finir l'achievement. En vrai, c'est pas mal. Il faut 2 stacks et 56. Hein. Bloc ? C'est 2 stacks et 56 ? C'est pas 2 stacks et 36 ? Ou un truc comme ça ? On peut le voir sur Kenshin, le best-of. Hein. Bah, la mienne, du coup. Ma chaîne YouTube à moi. France 2, il y a un mec qui lui a dit. France 2, ouais. Sur France 2, t'as lu, mais hop. Petit best-of de Guild 2023 qui passe sur France 2. Merci Tipeee Cetan, merci beaucoup pour le 22e mois de sub. Trop content du résultat du best-of, c'est un banger, quel goat Xail quand même. Maintenant ça va dérocher toute l'année pour partager le smile à tout le monde. Ouais, ça fait plaisir, regarde, en vrai c'est toujours une vidéo qui met le sourire. Et puis quand tu le regardes à la fin, quand je regarde à la fin de l'année tout ça, je me dis finalement c'est une bonne année, tu vois. Moi qui aimais pas trop l'année 2023, pour être honnête, c'est pas mon année préférée. Je suis content parce que voilà, quand je re-regarde à la fin, je me dis c'est bien. Donc voilà, je suis content. T'as le drogue Apple ? Bien sûr ! Bien sûr j'ai le droit pomme d'or, bien sûr. Bon appétit à ceux qui vont manger, c'est vrai qu'il est 19h, régalez-vous bien, moi je mangerai que ce soir après le LG, t'imagines ? Mangez pour moi, hein, s'il vous plaît. Hein. Merci Sidjaleo, merci beaucoup ! C'est un Sidjaleo, oui c'est ça, Sidjaleo, c'est ça, exactement. Allez, on profite de la nuit, on va récupérer quelques gunpowder, ok ? Comme ça on se refait des petites fireworks, faudrait que éventuellement j'ai 2-3 stacks de fireworks, je pense. Ça demande pas mal de creepers, hein, ça. Mais ça serait bien que je puisse en avoir, quoi. Comme ça après on peut partir sur l'exploration et puis voilà. Hein. Comment on peut avoir le doc ? Point d'exclamation objectif avec un S. C'est la liste des années. Bah 2023, en vrai 2023 mieux que 2018 quand même, je pense. Mais moi je mettrais... Alors on va considérer que mon full time a commencé en 2018, ok ? Donc je mettrais 2018 tout en bas. Après je mettrais 2023. Après, je mettrai 2019. Après, je mettrai 2022, 2020 et 2021. Voilà. Dans des moins bonnes aux meilleures années. Hop. Hop. Hop là. 2021, le prime. Ouais, 2021, c'était incroyable. Hein. Le passage chez Gotha, il m'a un peu carré, on va pas se mentir. Le passage chez Gotaga en début 2021. Ouais. La soirée du lundi, là. Pour le weekend, t'as juste à faire un raid et avec héros du village, ça va être plus facile avec les émeraudes et les carottes. Ouais, mais bon, ça reste du temps quand même, quoi. D'échange. Je pense qu'on sera plus rapide en minant. Hein. Mais moi, j'aimerais bien explorer, en fait. J'aimerais bien me balader en Elytra pour chercher les derniers biomes qui me manquent, quoi. C'est ça, le truc que j'aimerais faire, là. Aïe. C'était en 2021. Et ouais, c'était il y a 3 ans, mec. C'est à 3 ans déjà. Ça date, hein. Ça date, hein. Ouais. Ça remonte. C'était il y a 3 ans maintenant. Ne pas regarder l'Enderman. Surtout ne pas regarder l'Enderman. Ça remonte. Ça m'avait choqué de te voir chez Gotha en vrai. Ah bah moi aussi, hein. Ça m'avait choqué de me faire inviter, hein. Pas te mentir, hein. 8. Ok, il faudrait que j'ai un stack de fireworks, ça me mettrait bien là, un petit stack de fireworks. Hein. T'attends quoi là, je profite de la nuit pour avoir des fireworks. Je viens de regarder ta vidéo, c'était trop le prime, les lobbies golf gang avec les modifiers. Ouais. Mais attendez, cette année il y a la Zilan qui arrive aussi, hein, donc on va forcément avoir des moments comme ça, parce qu'on va encore tous s'y inscrire à la Zilan cette année. Hein. Donc il y aura forcément un mois entier où ça va être... il va y avoir un peu comme ce qui s'est passé avec le golf gang et tout ça quoi, hein. Ça c'est sûr. Hein. Oh merde. T'as reparlé à Gotha depuis. Ouais, on s'est... Enfin, pas de temps en temps, parce que moi, je sais, je suis pas quelqu'un qui envoie des messages, surtout à quelqu'un comme Gotha qui a une certaine aura, tu vois ce que je veux dire. Mais quand on s'est croisé à des événements, genre comme la Zilan, par exemple, ouais, on... C'est même lui, en général, qui me disait bonjour, tu vois. Enfin, c'est... Moi, je suis pas quelqu'un qui ose forcément aller dire bonjour aux gens, surtout quand c'est quelqu'un comme lui, tu vois. C'est... Enfin, c'est... Tu vois ce que je veux dire, c'est... Il a une aura, quoi, on va dire. Hop. C'est comme si demain tu vois, je sais pas, quelqu'un de très connu ou quoi que ce soit, tu n'as pas forcément osé aller lui dire bonjour, tu vois. Bah moi c'est un peu pareil quoi. Pas envie de déranger quoi. Forcément. Merci beaucoup Sam Yoda, merci, merci, c'est adorable. Dis donc que je me suis fait scammer sur le creeper là, non ? Ou je rêve hein ? Ok. Ok, il y en a là, parfait.
Putain, mais les creepers ils me scam là. Et j'en ai combien? J'en ai 18, hein. C'est pas ouf, hein. Pas ouf, hein. Pas ouf là, hein. Ouais. C'est Gotaga, quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est ça, hein. C'est que c'est Gota, quoi. C'est pas n'importe qui, tu vois. Une personne, c'est une personne, je vois pas où est le problème. Hein. Ah ouais? Bon, on verra. Le jour où tu rencontreras quelqu'un de très connu, ou je veux dire, ou quelqu'un qui a peut-être l'habitude de se faire déranger tout le temps, est-ce que tu. Est-ce que t'auras forcément l'envie d'aller lui parler, tu vois? On verra bien. C'est facile à dire ça. Hein. Oui, une personne, c'est une personne, mais bon, t'as pas envie de faire chier la personne en question, tu vois ce que je veux dire, hein. Genre, Gota, je pense que surtout dans les events comme la Zilan, tout le monde va lui parler parce que tu sais, c'est l'occasion de faire ami-ami, quoi, tu vois, donc. Voilà quoi, hein. On les voit hein, souvent à la Zilan, hein. Quand on va à la Zilan, t'as plein de gens qui viennent le jeudi très très tôt pour installer leur matos et après ils vont parler à tout le monde et essayer de devenir pote avec tout le monde. Hein. C'est un event communautaire de streamers, hein. Faut pas croire. Hein. Merci Raijin, hein. Ou Rijin, je ne sais pas, merci. Si Eoni, ça va super, merci Zertex aussi pour le Prime, merci à tous pour vos subs, vos Prime, tout ça, merci à tous, ne laissez pas vos Prime dormir. Petit rappel, ça serait dommage. Genre moi, j'ai vu le documentaire de Squeezie, tu vois. Mec, il se fait arrêter toutes les deux secondes, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça doit être, au bout d'un moment, ça doit être horrible. Hein. Moi, si un jour je le croise quelque part, j'oserais pas aller lui le déranger ou quoi, en ayant vu tout ça, tu vois. En ayant vu cette vidéo, ces vidéos-là, où justement, où tu le vois, il y a des queues de 1400 personnes qui font la queue quand il est en vacances pour aller lui dire bonjour, tu vois ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, ça doit être horrible pour lui de pas avoir de moment tranquillou, quoi. Donc bon. Je pense que je pourrais jamais aller voir quelqu'un comme ça. J'aurais trop peur de déranger la personne en fait. Donc bon, c'est quoi les modes installés? Moi j'ai quasiment aucun mode là. Hop. Enfin, je pense que c'est toujours cool de voir des gens que t'es, qui t'aiment, qui viennent te voir, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais je sais pas, en connaissant tout ça, moi j'aurais trop du mal à venir me dire. Aller le voir et me dire que je ne vais pas le déranger en gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me dirais toujours que je suis sûrement en train de le déranger ou que je l'emmerde ou je ne sais quoi quoi. Quelqu'un peut donner le tableur des objectifs? Point d'exclamation objectif avec un S sur le chat. Et vous avez absolument tout les gars. J'ai des amis, ils ont croisé McFly et Carlito dans le train, ils ont fait un Uno, ils semblaient pas gênés en tout cas. Non mais je pense que c'est pas des gens qui sont gênés. C'est comme moi, hein, si un jour vous me croisez quelque part dans un train ou un truc comme ça, faut vraiment pas hésiter à venir me parler. Moi franchement, ça me ferait plaisir de vous parler, de tenir une discussion avec vous ou quoi que ce soit. Mais juste moi-même, moi, si un jour je croise quelqu'un comme ça, j'oserais pas aller les déranger parce que je sais qu'au bout d'un moment, ça peut être chiant, tu vois, quand... Enfin, moi je sais pas parce que j'en suis pas à ce stade là tu vois donc je peux pas savoir mais je me dis à leur stade à eux ça doit être horrible des fois à certains moments, enfin peut-être pas horrible mais ça doit être compliqué on va dire à certains moments d'avoir des gens qui viennent te voir tout le temps et de pas avoir de point de temps de repos pour toi quoi, c'est ça que je veux dire, après t'es timide ça joue peut-être mais même si j'étais pas timide honnêtement c'est juste une question de pas avoir envie de faire chier la personne quoi on va dire en gros, c'est ça l'idée quoi, c'est même pas une question de timidité c'est juste une question de bah ça reste une personne comme moi et j'ai pas envie de l'emmerder quoi, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça hein. T'es chaud pour un Uno? Bah si vous me voyez dans le train mardi par exemple pour aller à Paris, ouais hein. Si vous nous voyez mardi dans le train, on sera avec Jim et Luzord donc bon. Parce qu'on va à Paris pour un tournage et après on revient le soir, t'imagines? La dingue. Ça va être trop bien ça en vrai, franchement j'ai hâte. J'ai hâte, hein. Mais en même temps j'ai peur hein, de ce tournage. Hein. Je m'en rappellerai quand même toute ma vie quand j'ai fait la queue à la Paris Games Week 2019 au stand Let's Sing et que vous étiez devant moi avec Bichard. Ah ouais putain, tu te souviens de ça? Ah putain. Ah mais oui! Mais si, ça y est, je me souviens. Oui, ça y est, je me rappelle. Je me rappelle très bien de cette file. Ça y est, oui, c'était à côté des escalators. Là, il y avait des escalators à côté. Oui, ça y est, je me rappelle. Ça y est, je confondais avec le truc Just Dance, mais non, c'est bon. Oui, ok, je m'en souviens très très bien. Oui, je m'en souviens, oui. Je m'en rappelle aussi. Putain, c'est fou que tu sois encore là, quoi. C'est incroyable, hein. C'est fou que tu te souviennes de ça et que tu me fasses me rappeler de ça, quoi. C'est incroyable. Quel souvenir. Incroyable. J'adore. J'étais avec ma copine de l'époque. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. C'était... Il y avait des escalators. Je me souviens très bien de l'emplacement, en plus, là. C'était une sorte de box, là. Et nous, on était sur le côté de la box. On était en ligne entière. C'est incroyable. Et ça fait longtemps que je suis pas allé à Paris Games Week, hein. Franchement, je sais même pas si j'y retournerai un jour, pour vous dire. À la Paris Games Week. Parce que j'en ai tellement fait des Paris Games Week que je trouve maintenant c'est... Je trouve que tu payes cher et en vrai, enfin... Honnêtement, les conventions, plus j'avance,
moins ça m'attire, dans le sens où je trouve que je trouve ça un peu pour moi c'est un peu aux FTR, hein, tu vois, maintenant, c'est ça que je veux dire. Je vois plus trop l'intérêt d'aller dans les conventions maintenant, de plus en plus, hein. À part pour rencontrer les gens de ma communauté, mais dans ces cas-là j'aimerais bien être invité à avoir un stand, tu vois, par exemple. Mais aller dans une convention pour aller dans une convention, j'avoue que j'ai du mal, quoi. On a envie de te voir. Non mais oui, mais dans des conventions où je suis invité, du coup. Enfin, mais dans des conventions comme la Paris Games Week où on n'a pas de stand, où c'est juste on marche toute la journée, j'avoue que moi-même, de moi-même, je vois plus trop l'utilité de venir, en gros. Je suis quasiment toujours là, je suis discret. L'année dernière, j'ai pu recroiser Bichard et il a signé ma casquette, c'est trop stylé. T'as recroisé Bichard? Ah oui, à la Paris Games Week, du coup, oui, forcément, ouais. Ouais, moi j'avoue que la PGW, je sais pas si j'y retournerai. À moins que je sois invité à un stand ou un truc comme ça. Mais en fait, moi déjà, aller sur Paris et rester 5 jours, c'est archi cher. Et surtout que là, la Paris Games Week, ce sera après les JO. Donc, à mon avis, je pense que le prix, il va pas rebaisser après les JO. Tu vois ce que je veux dire, hein. Je pense que ça aura bien monté, ça va pas rebaisser. Donc, ça m'étonnerait pas que ça coûte une blinde juste pour aller à la Paris Games Week pour 5 jours, quoi, tu vois. Petit Japan Expo Sud. Hein. Bah, en fait, moi, je vais dans une convention si jamais on m'invite. C'est-à-dire, si on m'invite pas. C'est pas pour être payé ou quoi que ce soit, c'est juste que quand on m'invite, je sais que j'ai un stand ou un endroit où je suis attribué pour des dédicaces. Genre à la TwitchCon, j'avais un endroit où j'étais attribué pour faire des dédicaces. Et j'étais en mode parfait. Je veux dire, parfait, tu vois. Alors que si t'as pas d'endroit ou de bureau ou truc comme ça qui t'est dédié, le problème c'est que je peux pas rencontrer des gens n'importe où. En 2019, on avait fait ça, on s'était posé sur des escaliers et on disait aux gens, venez nous rejoindre là. Il y a eu tellement d'attroupements de personnes qui sont venues, il y avait genre 300 personnes au même endroit, qu'on a eu des problèmes avec les mecs qui géraient les stands à côté parce qu'ils disaient, mais cassez-vous en fait, genre il y a trop de monde, mais pas pour nous, du coup ça nous fait chier. Et du coup on se faisait têche de nos endroits et on a failli avoir des problèmes, tu vois. C'est pour ça que je veux plus aller dans des conventions, parce que ça sert à rien, je peux pas rencontrer des gens dans des conventions si j'ai pas de stand à proprement parler. Donc ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien en fait d'y aller, du coup. Et aller dans une convention pour aller dans une convention, moi ça m'intéresse plus. Si je vais dans une convention, c'est pour vous voir. Donc forcément, bah... Si c'est pour me faire engueuler par le staff, c'est mort, quoi. C'est ça le souci. C'est pour ça que je vais que aux conventions où, entre guillemets, on me propose un stand. C'est les gens qui m'envoient des MP et qui me disent on te propose un stand pour aller là et tout ça, quoi. La Zilane se passe où cette année? Je pense que ce sera à Montpellier, je pense. On n'a pas toutes les infos, mais je suis quasi sûr que ce sera à Montpellier. Donc bon. Bonsoir Fouboub Gaming. Donc bon. Enfin, je sais pas, je veux dire... En général, vous allez aux conventions pourquoi? En vrai, si demain vous devez aller dans une convention, ça serait pourquoi? Bon, est-ce qu'on n'essaierait pas, avec les deux stacks de firework qu'on a, de se balader déjà, au pire? Ouais, au pire, on peut essayer de faire ça. Faudrait que je prenne des trucs pour réparer mes élytras, en vrai, les gars. Attendez. Je vais prendre des fioles d'XP. Je sais plus qui c'est qui m'en échange. Pour voir des collègues. Ouais, voilà, pour voir des gens, c'est ça, ouais. Parce que, bon, moi, pour le coup, je vois, pour voir mes amis ou des trucs comme ça, bon, bah, maintenant, on se voit dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, bon, c'est, entre guillemets, plus facile, hein, que d'aller dans une convention une fois par an. Du coup, j'ai moins de raisons de venir, quoi. Bon, en vrai, 11, c'est pas mal déjà. Allez, hop. T'as regardé le documentaire ce que vous avez... Ouais, il me manque le dernier épisode à faire, là. Mais ouais, j'ai regardé, j'ai carrément aimé, ouais. Il me manque juste le dernier, je suis boss, c'est sur Gentlemate, je pense. J'ai pas tout vu encore. Hop. Bon, allez. On va bouger, les gars. Allez, j'ai 11 bouteilles d'XP, c'est pas incroyable, mais c'est toujours ça. On bouge par où, maintenant? Faire des selfies avec des stars. De YouTube qu'on ne connaît pas. Des fois, mais je te jure, ça m'est déjà arrivé. Ça, c'est malaisant de fou, les gars. Je vais pas vous mentir. Des fois, quand j'allais à des conventions, type bah, par exemple la Made in Asia, des fois, il y avait des gens, ils faisaient la queue pendant 40 minutes, ils signaient mon truc, et ils me disaient, je vous connais pas, vous faites quoi? Et je dis, ah, bah moi, je me présente, je fais Minecraft, etc. et tout. Et il y avait même des gens, alors ça, je trouvais que c'était du manque de respect, qui faisaient ma queue à moi pour au moment où ils arrivent. À mon passage, hop, ils se décalent, ils vont sur la file d'à côté pour aller voir Furious Jumper ou d'autres personnes, tu vois. Tu vois, t'étais en mode, ah ouais, ok. En fait, je suis un passeur, quoi. C'est ça le truc, quoi. Je capte. Je capte l'idée, quoi. Sympa, MDR. Ouais, je te jure, franchement, il y avait des gens, honnêtement, dans les conventions, il y a des gens qui sont super gentils, mais il y a des gens, ils sont sans gêne aussi, mais vraiment, vous imaginez pas, hein. C'est d'un autre côté, t'es content de rencontrer des gens, et d'un autre côté, tu te dis putain, mais les gens, des fois, certains, c'est à se poser des questions vraiment. Hein. Certains, c'est quelque chose. Hein. Vraiment. Hein. Ta queue était plus courte aussi. Bah écoute, hein, j'ai une plus petite queue que Furious Jumper. Hein. Je veux dire, dans les conventions. Hein. commencez pas à faire des clips pour le best-of 2024 là. Hein. Je vous connais, hein. On va pas commencer le best-of 2024 avec cette phrase. Hein. C'est bon, hein. Ça suffit là, oh. Tu peux être fier que ta commu soit plus mature. Bah après,
Après, j'avais moins de monde qu'eux aussi, hein, donc bon, si j'avais plus de monde, peut-être que les gens réagiraient comme ça aussi, tu vois, je sais pas. Hein. Donc bon, je sais pas. On commence bien pour le best-of. Let's go, on fait des clips pour l'année prochaine, let's go! Ça fait du clip ou quoi l'équipe là? Bon bah ça explore, hein, c'est parti. Hein. Et des rushers qui vont manger Gucci cette année. Ah là 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 là, c'est parti, hein, franchement. Ça va manger. Hein. On peut le regarder, le documentaire de Squeezie, sur Amazon Prime Video. C'est vraiment un excellent documentaire, j'ai trop aimé regarder. Je trouve que les épisodes s'enchaînent super bien. Et c'est trop bien, je trouve ça trop bien d'avoir des infos comme ça de... sur tout ça, c'est trop bien. J'adore. On va clipper ta mort hardcore. Jamais de la vie, mon gars. Jamais de la vie, jamais de la vie. Je vais mourir dans, dans ce monde. Jamais. Never. Je viens de finir le best-of, il était très cool. Je te remercie. Désolé pour la balle perdue que je vais faire. Les gênants qui font le truc de skip la queue avec la tienne, bah c'est la même gêne que les youtubeurs qui plagient tout. Ouais, bah c'est des trucs un peu différents, mais oui, en soi, oui. Ouais. C'est pas vraiment la même chose, après, en soi, mais oui, en soi... Je vois ce que tu veux dire, quoi. J'avais croisé ma prof d'anglais déguisée en Mario à Art to Play il y a 5-6 ans. Quoi? What the fuck? Madame? C'est vous? Madame? Oui, c'est Mario, c'est pas madame. C'est... Non, it's not me. It's not me. Non, non, non. Merci Kirisa, merci beaucoup. En souvenir de cette file de la PGW en 2019, je me sub. Merci beaucoup, Kirisa, c'est adorable. Et merci Valor pour les 15 mois. Et merci pour tout, mais c'est moi qui te remercie en tout cas. C'est moi qui vous te remercie et qui vous remercie pour tous ces moments surtout. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Oublie pas les poissons pour les chats. Ouais. La grande question c'est où sont les poissons. Où est la poiscaille là? Où est la poiscaille? Dans n'importe quel océan je peux en trouver ou faut obligatoirement que ce soit en océan chaud? Il faisait ça pour fuse. Bon, les viewers et les youtubeurs sont gênants. Ah bah après, bon. On a la commune qu'on mérite, hein, tu veux que je te dise quoi, hein? Comme ça, hein. C'est le problème, hein. Mais ouais, c'est vrai que par contre, à la Medinazia, à chaque fois que j'y allais, il y avait quand même. À chaque fois, il y avait quelques spécimens. Hein. C'est comme je vous l'ai raconté plein de fois, je pense. Mais un jour, il y a un mec qui était vraiment venu. Il m'a pointé sa. Il avait une caméra et en fait, il voulait faire une vidéo en mode j'ai rencontré tous les youtubeurs à la Medinazia. Même des gens qui connaissaient pas. Et il arrivait devant moi, il a fait une queue d'une heure et demie. Il a posé sa caméra devant moi, il m'a regardé, il a fait parle. Comme ça, mec, psychopathe. T'as trop peur, vraiment, je te jure. Hein. Mec, font trop, trop peur. Hein. Parle. Bonjour. En plus moi je suis trop gentil, du coup j'étais là en mode salut, on est à la Medinazia. J'ai la goutte qui coule. Please vite, dégage. Vraiment c'est... Non je te jure. Vite s'il te plaît, libère moi là. Le gars voulait même pas une photo. Non non je te jure, il est arrivé, il m'a même pas dit bonjour, il m'a dit parle. Il m'a fait... Et il est parti. Vraiment c'est... Particulier les conventions quand même. Hein. Je pense bientôt à changer de coiffure. Non pour l'instant c'est pas prévu en vrai. Pour l'instant, je suis bien là. Pauvre, tu parles avec le fou de la Medinazia pour pas qu'il te tue. C'est ça, ouais, voilà, exact. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Non, après, il y a des gens vraiment cool aussi en convention. Il y a des gens que tu rencontres qui sont vraiment super sympas, des gens qui arrivent qui sont de bonne humeur, etc. Des gens qui te mettent vraiment de la bonne vibe. Non, il y a quand même des super gens, tu vois, dans les conventions. Mais des fois, t'as des gens, voilà, ils sont un peu sans gêne, quoi. Donc bon. Bon, enfin bref. Moi, je te rends compte, je suis à deux doigts du malaise. Hein. Oh, pff. Franchement, t'inquiète. Hein. Tu sais, rencontrer quelqu'un dans la vie, même moi, je reste quelqu'un d'assez timide. Hein, donc, on va dire, tu sais, je vais pas être là. Je vais pas être comme je suis en stream, forcément. Tu vois, je vais être plus discret ou quoi que ce soit. Je suis pareil. C'est de la. Même pour moi aussi, c'est de la découverte en soi. Hein. Mais voilà quoi. Moi, je rencontre Guild, bah, je lui parle comme OGG. Mais ouais, mais c'est ça. Hein, en vrai, faut pas se prendre la tête, hein, honnêtement, quand on se rencontre, faut... Voilà, hein, faut se dire que c'est normal, quoi, entre guillemets, tu vois, c'est... Voilà. Toi qui aimes pas le modé, si tu es invité au QSMP, tu tiendrais le coup, tu droperais un peu plus tard. Non, parce qu'en vrai, les modes du QSMP, j'ai compris, parce que j'ai fait le Purgatory. Donc en vrai, j'ai à peu près compris, ça ressemble à être à peu près la même chose. Il y a du Create, mais en vrai... J'ai vu qu'il y avait des trucs qui se ressemblaient, même d'une manière générale, il y a pas mal de trucs qui sont compréhensibles. Mais non, je dropperai pas spécialement, quoi. Moi, je pense que quand t'es invité sur un serveur comme ça, t'as pas vraiment intérêt à dropper, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Puis même, en fait, c'est compliqué de dropper quand t'as toute une communauté qui te pousse et qui te... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, je trouve que le QSMP, c'est une ambiance très particulière. C'est-à-dire que
tu vas jouer, mais pas forcément pour jouer du modé. Tu vas jouer parce que surtout, t'as une communauté derrière qui a une ambiance particulière, etc. Et je trouve ça complètement fou, quoi. Genre, la communauté qui suit, qui regarde tout ça, qui te pousse tout le temps, qui est hyper positive, etc. Je pense que c'est ça qui donne la plupart du temps envie aux gens et aux streamers de jouer, pour être honnête. Ah bah oui, non mais clairement, c'est une équité, hein, je suis d'accord, hein. Tu te fais beaucoup reconnaître quand tu sors? Maintenant, beaucoup moins. Il y a 2 ans, ouais, en vrai, il y a 2 ans un petit peu. Mais maintenant, ça va. Puis ça dépend parce que... Enfin, quoique, je dis ça dépend, non, en vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui m'a vu dans le tram aussi, tu vois. Donc non, hein. Donc bon. Merci Wassim, c'est adorable. Merci beaucoup, beaucoup, merci. Une des meilleures vidéos de ta chaîne, ça fait plaisir de lire ça, merci beaucoup. Le duo étoile Guild qui se tacle tout en fightant le code, c'est une vision demandée. Non mais moi ça serait un plaisir en tout cas de pouvoir tester quelque chose de différent. Vraiment, ça serait un plaisir. Mais que ce soit ça ou même d'autres choses et tout, tu vois. Enfin, moi j'ai envie de faire des nouvelles choses cette année, c'est juste que bah... J'aime bien jouer avec des gens que je connais en fait, c'est surtout ça l'idée. J'aime bien jouer avec des gens que je connais, rencontrer des nouvelles personnes, mais je veux dire... C'est vrai que si t'arrives à un endroit et que tu connais strictement personne, c'est compliqué quoi, on va dire. T'as regardé le documentaire sur Orelsan? Oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr, j'ai regardé le documentaire sur Orelsan. Évidemment. Bien sûr. Bon, bah, on continue de chercher, messieurs, dames. Hein. C'est long, mais on continue de chercher. Vous savez ce que je vais faire? Je vais passer la nuit, en vrai. Mm-hmm. Ça, c'est une bonne idée, ça. Hein. Ouais, on va passer la nuit, les amis. Hop là. Hop là. Hop là. Laisse-moi le lit, toi. Si toi, dans la rue, ça te dérange pas qu'on vienne te voir? Absolument pas. Il faut même pas hésiter. Il ne faut absolument pas hésiter, même si on est avec l'eau ou quoi, faut pas hésiter, il n'y a aucun souci pour nous. Nous, au contraire, ça nous fait juste plaisir, en fait. Hein. Ça nous fait juste plaisir. Ah, mais merde. Oh, bonjour, mes petits bébous. Bonjour, mes petits bébous. Oh, j'ai pas assez de poissons, là. T'as déjà pensé à arrêter Minecraft pour un autre jeu vidéo? Non. Non. Ne dis pas n'importe quoi. Putain, j'ai pas de poissons. J'ai pas assez de poissons, la team. Mais il faut que je trouve un océan, les gars. Faut que je trouve un océan. Je cherche quoi? Je cherche les 3 derniers biomes qui me manquent. Donc c'est un biome chaud et faut que je trouve de la poiscaille. Non, mais non, j'ai pas envie de retourner dans des biomes froids là-bas. Non, laissez-moi tranquille. Pas dans des biomes froids. Non! Non! Pas les biomes froids, en fait. Laissez-moi tranquille. Faut que je retrouve un océan, les gars. Faut que je retrouve un océan, je prends du poisson et après je vais chercher les chats. Il y en a dans les rivières des poissons. Ouais. Dans les biomes froids, il y a des poissons? Même? Le best-of est un pur banger, je suis trop de bonne humeur. Merci Litchi, merci Astronome! Merci beaucoup! Avec une petite émote de étoile. Ah, ça j'aime bien cette émote. Oh, mais attends! Attends. J'ai oublié d'activer quelque chose. Et je crois que Astronome... Astronome, quelqu'un qui resub pour 2 mois, je crois que c'est... Je crois que je vois très bien qui c'est, non? C'est quelqu'un que j'ai déjà vu passer sur Twitter. Du coup, je me demande si je ne dois pas du tout dire merci en anglais, du coup, plutôt. Ça fait de la merde, là. Non, j'avais oublié d'activer le, bah, le truc du plugin translation, quoi. Non, quand je l'active pas, c'est que j'ai oublié. Et c'est pour ça que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, attends, mais j'ai oublié de l'activer, là. Du coup, I'm sorry. If you are not French and you don't understand anything, I'm sorry. I just enabled the translation plugin. Because since the QSMP, there are a lot of people, non-French people, who are watching my stream. Ça va pas plus vite de pêcher? Bah je crois pas, le chat me dit que non, donc bon, tu sais. Hein. Grand fan des OST Xenoblade, tu contestais les jeux quand? Il faut, bordel, il faut. Mais bon, tu sais, pour moi, c'est une licence que je veux faire quand je me sentirai prêt, en fait. Et je veux pas la bâcler ou quoi quand j'aurai le temps, en gros. Je suis américaine, mais je parle aussi français. Ah, je savais très bien que c'était toi. Ok, je te vois passer souvent sur Twitter. Je savais très bien que c'était toi, oui, ok. Merci LK, t'es Gaïa, merci beaucoup. Du coup, merci d'avoir resub, parce que grâce à toi, j'ai pensé au fait qu'il fallait que j'active le plugin. Salut Omega, ça va ou quoi? Merci El Kataga, du coup, merci pour les 19 mois. Je ne sais même pas quand est-ce que... Attends, quoi? Quand est-ce que ça me resub? Oui, c'est vrai, oui, c'est oui. Tu peux tuer des ours polaires pour du poisson. C'est une très bonne idée, ça. Regardez mes coordonnées, ça n'a aucun sens. Vraiment, hein, ça n'a aucun sens, hein, Meko, là. Salut Gaël, ça va très bien et toi? Merci à Kaminari. Pour les Xenoblade, tu peux jouer au X sur Wii U, il n'est pas lié aux 3 autres. Sur quoi? Sur quoi?
Quelle console tu as dit là? Sur quoi? La quoi? La quoi? Et toi les mots de Was a Nice Remember? Yes! Yeah! Absolutely. Tu peux tuer les chats, ça donne des fils. Ouais, non, mais il faut que je les apprivoise, les chats, là. Il faut que je les apprivoise maintenant. Donc, non, non. L'antiquité qu'il a sorti. Mais vous savez que j'ai encore ma Wii U, les gars. Je vous dis, j'ai ma Wii U encore. Hein. Je l'ai, hein. Tu penses que ça sert à quelque chose que je contacte Block Media en tant qu'influenceur à mon échelle ou c'est que pour les très grands sur leur site, ils affichent que les grands, mais je sais pas si ça sert pour les petits. Ça sert à rien pour l'instant parce qu'en fait, c'est eux en général qui vont chercher. En gros, le plus petit de chez eux, et en gros, encore, il est même pas directement dans l'agence, c'est Jimmy, et il est même pas direct dans l'agence, mais juste il est sur 2-3 deals maintenant. C'est-à-dire que, vu que quand il y a des marques qui payent pas vraiment très cher pour nous, bah en gros, vu qu'ils ont un budget qui est assez limité, j'ai dit à Soristos, en vrai, si tu veux mettre quelqu'un sur le deal, tu mets Jimmy, tu sais, hein, lui, bon, il fait quand même des très bonnes stats et tout, et du coup, Jimmy se retrouve avec plein d'OP maintenant, là. Enfin, plein, j'abuse, mais bon, un petit peu, quoi, donc c'est cool, hein, je suis content pour lui. Non, Block Media, c'est l'agence qui a été créée par Soristos qui bossait avant pour Fuse. Donc en gros, ouais. Et c'est de l'agence dans laquelle on se trouve avec Fuse, IPR maintenant, Ego, Combo, et il y a MyBios, A1 du coup, puisqu'ils font des vidéos avec Fuse. Et il en reste un ou deux, je crois, et c'est tout quoi. On est très peu. QSMP was so much fun to watch and to play for me. It was the same. But your name is Chaussette Pal, so I guess you are French and. Not English, but you speak English on the chat. l'entre du match, je sais pas s'il y est. Je sais pas. MDR, ouais. Tu t'appelles Chaussette Pâle, quoi, quand même. T'as cru me la mettre, là, ou quoi, là? C'est incroyable, Minecraft, avec la render distance au max. Oui, avec le shader et render distance, c'est absolument magnifique, hein, Minecraft. C'est magnifique, ce jeu. J'aimerais bien trouver des poids sky, comme vous me dites, mais y a rien. Quand j'ai vu dans le documentaire de Squeezie la scène avec les abonnés qui viennent faire des photos, je trouve ça horrible. Bon, en fait, d'un autre côté... C'est compliqué quand lui il est en vacances, hein, parce que du coup ça doit être épuisant. Mais en fait tu peux pas, en fait c'est pas horrible pour nous, genre quand nous on rencontre des gens, même dans des moments où c'est pas forcément le moment, on est toujours hyper heureux de rencontrer des gens en fait, qui nous suivent parce que c'est des gens qui ont le sourire. Tu sais, c'est pas des gens qui vont être de mauvaise humeur ou quoi que ce soit, les gens vont être tout le temps de bonne humeur, etc. Et c'est toujours un plaisir en fait de rencontrer ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, nous on va pas être quelqu'un, on va pas se plaindre en fait, on va pas se plaindre. On est hyper heureux de vous avoir en fait, c'est... Bon je pense que pour Squeezie des fois quand il est en vacances c'est vrai que ça doit être relou pour lui, mais... Bah... Ça doit être épuisant surtout, je pense pas que ce soit relou, je pense que c'est plus épuisant que relou en fait, en gros, c'est plus ça l'idée. En gros. Ok, Bamboo Jungle, ça c'est bon. C'est juste que c'est fatigant en force mentalement, oui voilà c'est ça. C'est ça, c'est que c'est fatigant. Même moi après, honnêtement hein, je vais vous le dire, mais après mes journées de convention à la Medinasia, au bout de la deuxième journée, quand tu fais 8 heures d'affilée, même, enfin c'est même pas 8 heures, c'est moi je faisais, normalement t'allais 8 heures, mais moi je fais 8 heures et je prenais pas de pause parce que il y avait tellement de gens dans la file à la Medinasia que j'étais en mode vous avez pas fait la file pour pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous faites rentrer tous les gens en fait, jusqu'au bout. Tu vois? Oh la mangrove gigantesque! OMG, enfin une mangrove gigantesque. Ça fait archi plaisir. Et toujours 49 hein. Mais et du coup je faisais venir les gens etc, mais le problème c'est que bah tu... Oh j'ai pas pris mon pinceau, je crois que je suis un abruti les gars. Oh j'ai pas pris mon pinceau. Alors ça les gars c'est de l'abruti hein. Quand tu vas faire pour avoir tous les effets de potion avec un demi-cœur, bah je vais en chier. Mais on réussira. T'imagines je me fais tuer par un lama, je pense que je pète un plomb là en vrai. Dégage toi. Je me fais tuer par un lama, je pète les plombs hein, je vous le dis. Je connaissais pas que Xenoblade cependant à cause de toi les OST que tu mets... Et de Pyra Mitra que je mets maintenant sur Smash, j'ai découvert un chef-d'œuvre ce jeu. Ouais, non, mais Xenoblade, c'est vraiment masterclass. Hein. Magnifique. Hein. Merci Kageda, du coup, pour les 21 mois de sub. Trop bien la vidéo best-of. J'espère sourd un retour de QSMP ou d'autres choses du genre, c'était trop bien. Bah, en tout cas, s'il y a un Purgatory 3 et que je suis invité, évidemment, j'accepterai avec grand plaisir. Mais en soi, je comprendrais s'ils veulent faire tourner les gens aussi. Hein. C'est normal. Hein. Il y a plein de gens, à mon avis, qui attendent et il y a plein de gens qui aimeraient tester. Donc, je comprendrai sans aucun problème. Il n'y a pas de soucis. Bah, de toute façon, quand je suis invité à un événement, c'est rare que je dise non. Voilà, je le dis. C'est rare que je dise non. J'aime trop découvrir des nouvelles choses. Ça me rappelle que j'étais à l'avant-première du documentaire de Squeezie lundi, petit flex. Eh ben, dis donc. Ça se fait plaisir, mes loulous. Oh là, mais il y a un désert gigantesque. Vous savez que je suis trop con, quand même, hein, parce que j'ai vraiment oublié de prendre mon pinceau. Hein. Ça, c'est vraiment débile, hein, de ma part. Hein. Est-ce que avant d'avancer, on se trouverait pas un petit poyo et on se ferait pas un petit pinceau avant d'avancer plus loin, quand même? Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Bah ouais.
Team Purgatory, toi, Gil, étoile, Jimmy et Pierre, oui, comme ça au moins, il y a pas de, enfin, c'est pas qu'il y a pas de suspense, mais c'est que, non, je pense qu'il faut, faut être avec des gens que tu rencontres, je pense. Moi, je suis vraiment trop content de la team qu'on a eu pour Purgatory 2, vraiment. C'était exceptionnel. Je dirais pas que je veux réavoir la même team parce que forcément, bah, c'est impossible. Mais vraiment, tout le monde était trop gentil. J'ai passé un super moment, etc. En fait, si un jour je suis réinvité à un événement comme ça, j'aimerais être avec des gens qui ont la même sympathie que tous les gens avec qui j'étais dans mon équipe. Cette même volonté de jouer, même peu importe le niveau, etc. Juste cette même volonté de vouloir faire de son mieux, de discuter, d'être de bonne humeur, de faire des blagues, etc. Voilà. Et Kenny. Et Kenny sera invité sur le QSMP, je pense. Kenny sera invité, je pense. Mais le vrai serveur, hein, je pense, hein, à mon avis. Il est typique dans le pile, dans le comment dire, dans le profil des gens du serveur, on va dire, je pense. En plus, il est dans la team du lundi, donc forcément, tu vois. Peut-être GG2 cette année. On verra. Ça va dépendre de beaucoup de choses pour Kill Games 2. Il est seul dans ce monde, ouais. Est-ce qu'il peut y avoir des UHC Rush sur UHC World? Des UHC Rush, hein, ça m'étonnerait, mais bon. On sait jamais, il faut jamais dire jamais. J'ai pas de poulet, les gars, je suis dégoûté. Je veux des poulets pour pouvoir me refaire un pinceau et chercher le sniffer, mais évidemment, il y en a pas, quoi. Je suis deg. C'est qui, Kenny? Moi, je connais que Squeezie. Kenny? Le mec dans l'attaque des titans. Exactement, c'est ça, ouais. Ah putain, mais Forgakil, on a fait la même blague, j'avais même pas vu. J'ai fait cette blague sans lire la tienne. Des barres. Si jamais les GG2 seront début novembre. Oh, jamais début novembre, jamais. Ce sera, franchement, si c'est cette année, c'est début décembre, voilà, je vous le dis, début décembre et encore, pas sûr. Ce sera bien en hiver, bien quand il fait froid, hein. Ouais, je vous le dis, parce que franchement, faire 40 degrés dans la salle, c'est mort. Je préfère qu'il fasse 10 degrés et qu'on soit tous en pull à avoir froid que qu'il fasse 45 degrés et qu'on soit en train de mourir littéralement, hein. Mon daron va avoir le seum qu'il n'y ait pas du UHC1. Eh ben écoute, tu sais quoi? Je vais aller en parler aux autres et on rajoutera des UHC World. Des UHC Run. Voilà. Un jour. On fera des UHC Run en ranked. Hein. Le concept de baiser. J'adore en vrai le concept. Hein. UHC Run en ranked, c'est génial. Hein. Peu importe, c'est con, je loupe la fac pour toi. Si je suis calife à la LAN, je viens quand même. Eh ben c'est parfait alors. En printemps, AK, la meilleure saison. Bah le problème, c'est qu'en fait, si on le fait au printemps, on peut pas le faire cette année. Hein. Donc ce sera l'année prochaine. Donc on verra. Donc bon. Et le LG sur UHC World, la question c'est quand? Bah écoute, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je te remercie de l'avoir posée. Voilà, c'est une excellente question. Si vous avez des questions comme ça, faut pas hésiter à les poser parce que de temps en temps, ça fait du bien d'avoir des questions qui sont posées entre nous comme ça. Donc, exceptionnelle question, voilà. Rien à dire de plus. Voilà, pas de réponse à donner, mais exceptionnelle question. Voilà. Été, meilleure saison, bah palmarès de l'été en vacances 2 mois, quoi, c'est tout. Palmarès de l'été, 45 degrés, c'est tout. Et quand tu restes chez toi pour bosser, il fait 8000 degrés et tu meurs. Voilà, palmarès de l'été, hein, ça fait plaisir. En tout cas, chez moi, je peux vous dire, avec le PC, c'est plus la meilleure saison pour moi. Le printemps, par contre, ouais. Moi, je suis content parce que là, on arrive fin janvier, il reste que février, et après février, c'est bon. Pour moi, on a passé les deux pires mois de l'année. À partir de mars, je suis heureux dans la vie, j'ai tout le temps le sourire. Faut juste que ça passe. Une fois que c'est passé, c'est bon. Donc bon. Je prends juste du bois, parce que regardez ce qu'on va faire. On va faire un truc très très simple, on va se refaire un pinceau. Hey. Nous on était bien dans la salle joueur à côté des escaliers. La salle joueur c'était horrible, enfin la salle du cast c'était horrible, il faisait 8000 degrés, c'était une horreur, vraiment, je ne veux plus jamais vivre ça. Même pour les joueurs qui sont venus sur scène, il y en a un, il a fait un malaise à la fin quoi, quasiment, hein. C'est pas très cool, tu vois, même, enfin c'est, voilà, hein. Mars, avril, pire mois de l'année, allergie au pollen. Ah, c'est vrai, moi je me plains pas là-dessus. Je suis pas allergique au pollen, donc je vais pas me plaindre là-dessus. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Hop. Allons-y. Hop, là, on va se refaire un petit pinceau. À la finale, quand on était dans le public, il faisait chaud. Ouais, non, mais vraiment, le public... Enfin, la finale, c'était hardcore. Ouais, je vous le dis. La finale, tout le monde en plus était dans la même salle pour regarder sur l'écran. C'était compliqué, vraiment... C'était chaud, hein. Comment on fait? Ah, comme ça. Hop. Tac. La musique de fou, hein, bien sûr. Hein. Hop. J'ai pas de torche dans mon inventaire. Je vais m'en faire parce que c'est un énorme échec. Hein. Hop. Alors, allons-nous trouver un petit temple du désert, si possible, au passage. Hein, parce qu'on a besoin d'un petit temple du désert quand même, s'il vous plaît.
Il y a pas de temple? Parce que moi j'ai besoin de trouver des trucs là. Non, peut-être pas forcément temple du désert, mais même des ruines en fait. Ah, y a rien. Il faudrait que je me trouve des poissons aussi, les gars. Vous avez vu, je vous ai dit que j'aurais dû pêcher. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit que je devrais pêcher. Mais ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oh, y a un Messa. Ok, ok, ok. Dire qu'on n'a pas eu notre moment de gloire sur la scène devant le quadrathlon où on aurait, où on a explosé le lobby avant que je fasse le plus gros hint des games. Après, mec, y aura une revanche dans ces cas-là. Moi, je vous le dis, si vous voulez participer au Guild Games, au prochain Guild Games, la grande, enfin le truc sur lequel je peux vous dire de vous entraîner, c'est le trident, le lancer de trident. Voilà, je vous le dis direct. Hero Dead Badlands, c'est ça, non? C'est ça, non? Hero Dead Badlands, non? Ou Dead Badlands, c'est fait? Et ça, c'est Hero Dead, non? C'est ça, non, je crois? C'est pas Hero Dead, ça? Oui! Fais voir. Quoi? J'avais eu Hero Dead Badlands, du coup, ça veut dire. Hein. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh là là, ça j'aime pas. Ça j'aime pas ce que ça veut dire, ça. Ah, ça, ça me plaît pas. Hero Dead Badlands, c'est bon, ou Dead Badlands. Donc ça veut dire que là, il m'en manque un. Oh non, j'aime pas. Oh non. Ça, j'aime pas, les gars. Ça, j'aime pas du tout. Oh là 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 là. Comment je vais aller regarder dans les fichiers du jeu? Oh là là, je vais aller regarder dans les fichiers du jeu, les gars. Je vais aller regarder dans les fichiers du jeu, ça va être vite vu. Swamp, c'est quoi? C'est marée, j'ai pas trouvé de marée encore. J'ai pas de marée depuis le tout début du truc, hein, quand même. Hein. Ça va aller regarder dans les big fichiers du jeu, hein, ça je peux vous le dire, hein, les gars. Putain, c'est pas possible. Hein. Ça serait pas un des océans par hasard? Bah, je sais pas, en vrai, les océans, j'en ai fait 14 000, hein, donc je sais pas du tout. Hein. De toute façon, il me faut encore de toute façon l'île Mushroom là. Merci Fly, merci beaucoup pour le sub, merci infiniment. Pourtant, marée, c'est pas si rare. Bah ouais, mais regarde, j'ai pas trouvé un seul marée depuis le début. Sur toute la map, là, vous avez vu, j'ai fait 20 000 blocs, j'ai pas trouvé un seul marée. C'est fou, quoi. Savana venteux? C'est quoi, savana venteux? C'est quoi, même? Ça va être très drôle, le moment où je vais devoir faire le chemin arrière. Hein. Très, très drôle. Hein. Heureusement que j'ai de quoi aller dans le Nether. Hein. Salut, Goz! À tous les coups, tu vas passer par le biome manquant en cherchant les deux autres et tu sauras jamais lequel c'était. C'est possible, hein, vraiment. Hein. Bah, je sais que les deux derniers, c'est Swamp et Mushroom Island. Ça, je suis sûr que je les ai pas eu, ces deux-là. Mais après le reste, par contre. Hein. J'étais à côté de quoi tout à l'heure? De quoi? C'était Mangrove. Hein. Savannah, bah ouais, Savannah tout court. Hein. Savannah, j'ai eu. Savannah tout court, je l'ai eu. Je crois que les collines de champignons existent, hein. Ah bon? En vrai, tu réapparais direct à ton bed. Allez, go, ça part! J'espère que dans le Nether, tu te prends un mur, tes élytras broke et tu meurs. Hein. C'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe à la durée de mes élytras, hein. C'est vrai ça? Hein. Ouais. Bon, après, au pire, si jamais, c'est pas grave, hein, puisque j'ai quand même un totem, donc ça va. Ça, c'est biome jungle, non? Ça, ce plateau là. Sparse jungle. Sparse jungle, je l'ai déjà, hein. Bah merci à tous. Bah merci à tous. Bon bah c'était pas si compliqué finalement. Bon bah c'était pas si compliqué hein. Écoutez, vous voulez que je vous dise quoi hein. Bon allez. Regardez-moi comme Minecraft est magnifique. Avec la render distance à 32 là, la render distance max. Regardez ça, comme c'est beau. Ok, vous savez ce qu'il faut trouver. Marée, île Champi. L'île Champi évidemment étant la plus chiante bien sûr. Pourtant, tu y es passé hier sur une Sparse Jungle, mais je comprends rien à ce jeu, mec. Voilà, je ne comprends rien à ce jeu, d'accord? Je ne sais pas, même moi, j'étais persuadé de l'avoir déjà eu. Mais oui, on l'avait eu hier, enfin, je... Ou alors, c'est peut-être le biome savane tout court que j'avais pas. Peux-tu faire F3? Oui, si tu veux. Tu regardais le jour, hein, je suis au jour 129, si c'est ça. Note l'écho du Messa pour l'or. Oh, c'est une super idée, ça, mec. Hein. Oh, c'est une très bonne idée, mais même, je vais y aller tout de suite, c'est quoi? Je vais y aller tout de suite, je pense. Parce que je vais clairement pas m'amuser à revenir ici alors que c'est à 20 000 blocs. Hein. On va pas se mentir, hein. Ah ouais, non, c'est une très bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. On a pas une petite grotte, là? Ouais, je vais récupérer l'or pour faire les... Pour faire le beacon. Ouais. Ah oui, un mineshaft en plus pour avoir l'araignée venimeuse. Oh, bien vu.
Oh ouais, oh l'idée de fou, oh l'idée de fou, oh l'idée de fou, regardez, oh là 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 là. Oh là 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 là, mais oui, ah bah, super, super mineshaft, merci à tous. Ah, c'est bon, ok. T'es au jour 129 avec un demi-cœur ? Ouais ! Name tag, je sais pas si j'en aurai encore besoin, mais au cas où. Ok, mineshaft, mais pas d'araignée venimeuse. Le problème, c'est qu'on voit que dalle. Et ça, j'aime pas. Salut, bro. C'est là-dedans qu'il faut que je descende pour avoir de l'or ? Ah, mais il y a de l'eau, là. Ok, non, c'est mort. Merci beaucoup, Dadou. Fais gaffe, pour replay mode, ça prend de la place de fou. Ouais, non, mais t'inquiète. Fadi, tu sais, je recorde l'intégralité de dès que je joue sur le serveur. Donc, c'est ça qui prend de la place, surtout. Donc, ne t'inquiète pas, mec. Je sais, j'ai acheté des disques durs de 4 Tera exprès pour être tranquille de ce côté-là. T'en fais pas. Sache que j'ai plein de disques durs à côté là sur mon PC, j'en ai énormément là qui sont posés sur ma table à côté, et ils ont tous une petite étiquette dessus avec noté ce que c'est dessus. Donc bon, tu vas pas me dire que t'as pas pris un seul dégât, t'es trop chaud. Ah si, j'ai pris plein de dégâts hein, mais vu que regarde, j'ai plein de totems, j'allais dire des totems d'immunité frère, c'est Koh-Lanta ou quoi. J'ai plein de totems, ça fait que je ne suis pas mort. Et même au début je suis allé faire un manoir, donc j'ai récupéré un premier totem comme ça, et après j'ai fait une ferme à totem pour être tranquille. Voilà, donc effectivement je suis pas mort une seule fois, j'ai pris des dégâts. Mais je suis pas mort une seule fois. Ça oui par contre. Et ça c'est assez marrant. Y'a pas l'air d'avoir de cave spider hein, quand même les gars. Ouais ouais. J'ai survécu 109 jours en hardcore avec un demi-cœur. Non, le titre de la vidéo c'est j'en fais un, et si j'arrive à la fin au défi, ce que je pense en vrai, je pense qu'on va y arriver. À la fin, le titre ce sera sûrement j'ai terminé les... Soit un truc du type j'ai terminé les 110 succès de Minecraft avec un demi-cœur ou un truc comme ça. Mais en tout cas y'aura pas de question de 100 jours en gros. Parce que le problème c'est que les vidéos 100 jours, en gros, les gens sont trop habitués à ça et ils cliqueront pas forcément. Alors que là pour le coup c'est un défi qui est... Voilà. Si tu meurs c'est fini. Et ouais, si je meurs c'est finito pipo. Je peux pas tricher en plus parce que je suis en live. Donc, je peux pas tricher ou quoi. Y'a de l'or. Nice. Donc ouais, je ne peux pas chiller. Chiller. T'as utilisé combien de totems depuis le début? Tu as le nombre précis sur le document des objectifs. Hein. J'étais persuadé que tu allais mourir jour 1 à 3. Je suis vraiment surpris que t'aies réussi à aller aussi loin. Et t'inquiète pas, je suis surpris moi aussi. Hein. Pas te mentir. Je suis très surpris moi aussi. J'aime pas ce que j'entends. Moi aussi, je suis assez surpris, ouais. En fait, quand tu joues safe, en vrai, ça va. C'est ça qui est cool. Il faut jouer safe. Faut jouer très très safe. T'as fait l'Ender Dragon? Ouais, j'ai fait Ender Dragon, j'ai fait Wither. Il me reste l'Elder Guardian à faire pour compter dans les mobs. Mais regarde, dans les achievements, si tu veux savoir exactement ce que j'ai fait, tu fais point d'exclamation objectif avec un S. Tu attends que le Nightbot te réponde dans le chat. Il va te mettre le lien. Et tu sauras tout ce que j'ai déjà fait. Là, je suis, comme dit le titre, à 88 objectifs sur 110. 88 succès du jeu. Globéry, tu les as mangés. Ouais, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Je les ai mangés et de toute façon, j'ai un document qui répertorie tout ce que j'ai mangé, tout ce que je n'ai pas mangé, donc c'est ok. Le Messa, c'est OP pour l'or. Hein. Waouh, c'est broken de zinzin. En vrai, c'est quoi? C'est 18 stacks. C'est ça, c'est que 18 stacks d'or. Hein. Oh, c'est broken en vrai. En vrai. Oh, oh, oh non, oh non, oh non, oh non. Où qu'il est? Allez hop. Oh. Ah, c'est plaisir. C'est plaisir d'avoir des petits coups de flip comme ça là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même. Hein. Ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir des coups de flip comme ça. Hein. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Heureusement que les pommes d'or sont là. Hein. Heureusement que les pommes d'or existent dans Minecraft. Hein. Y'a pas un logiciel qu'utilisent les streamers qui font le Hot Advancement qui te dit tout ce qui a été fait? Ouais, ouais, y'a un logiciel, ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Mais je l'ai pas installé, là, j'ai quasiment aucun mode. Les seuls modes que j'ai, c'est des trucs visuels, en gros. Pour vous. Genre notamment mon armure, que vous voyez, mes coordonnées, c'est tout, quoi. Le reste, voilà. C'est l'enfer, les squelettes. Ouais, c'est le pire truc, hein, les squelettes. Hein. C'est le pire bail. Hein. Malheureusement. Prochain défi, un demi-cœur, pas le drop pomme d'or et au totem. J'avais déjà essayé l'année dernière de le faire, et... C'était pas ouf. Je suis mort des dizaines de fois sur l'Ender Dragon, c'était trop compliqué. Du coup là je me suis dit je le fais mais en prenant mon temps et ça va bien quoi. Et ton plastron, c'est une très bonne idée ça. Mais là je cherchais une autre grotte en fait, je vais pas me faire chier, je cherchais que des petites grottes comme ça. Tu penses que le fait de jouer sans prendre de dégâts t'a rendu plus fort au jeu? Bah en fait je pense que je jouais, en fait je pense que j'avais les capacités pour le faire. Mais je jouais pas assez safe pour le faire.
Donc en vrai je suis content là-dessus. Par contre là où ça m'apporte des compétences sur le jeu je pense, c'est au niveau de la connaissance du jeu, au niveau des achievements. Parce qu'il y en a certains que j'avais jamais fait des succès du jeu, qui étaient totalement inconnus pour moi. Et là le fait de les faire dans cette série, ouais j'ai l'impression que ça me permet de les apprendre quoi en gros. Genre par exemple, hier on en a fait un, bah, genre par exemple l'agriculture quoi, que j'ai jamais fait parce que je trouve ça absolument boring de fou. Bah là je suis obligé de le faire et j'apprends à le faire en fait. C'est bien en tout cas, je me fais pas du tout pisser dessus. C'est quoi la couche optimisée pour miner dans un Mesa? En vrai, pour trouver plein d'or. Si vous savez éventuellement, peut-être. T'essaies de faire lequel? Là, je récupère plein d'or pour faire un full beacon. Et j'essaie de trouver les deux derniers. J'en profite pour trouver les deux derniers biomes qui me manquent, c'est-à-dire marais, oui, marais, hein, ça peut sembler fou, voilà. Et il mushroom, du coup, forcément. Archéologie, pas agriculture. J'ai dit agriculture, j'ai dit archéologie, oui. Enfin, archéologie, pas agriculture. Je suis désolé, je suis fatigué, j'ai faim. Ça fait je sais pas combien de temps que je stream, j'ai la dalle. Désolé. Je viens de voir le best-of et merci pour ce poulet qui donne le sourire dans ces moments difficiles. Merci, mon gars. Merci, Daylin. J'ai raté quoi depuis une heure? J'ai trouvé deux des biomes manquants. Et là, j'ai trouvé enfin un Mesa, donc j'essaie de trouver de l'or, en fait. Ah, il faut que je trouve la cave spider aussi, hein, les amis. Hein. Tant que je suis là... Et ça, c'est une spider normale, quoi. Il y a des spawners de spider dans ce genre de cave. Enfin, je veux dire, dans ces mineshafts-là, il y a des spawners de cave spider aussi. Les blocs d'or, tu peux pas les choper dans les bastions. Ouais, mais c'est risqué par rapport aux brutes. C'est trop risqué, je trouve. Ouais, j'ai une chaîne de rediff, ouais, The Guild 8K triplé. Je termine quand? Alors, le hardcore, là, aujourd'hui, j'arrête à 21h. Et à 21h, on va faire le LG avec la mafia. Donc, comme on a fait la semaine dernière, comme tous les dimanches. Il y aura encore une fois Caliste et Tac qui vont jouer ce soir. Pas Étoile, mais il y aura Caliste et Tac ce soir. Voilà. Qui m'ont demandé ce matin pour jouer. Je viens de terminer la vidéo, j'ai pas vu les 40 minutes passer. Bah ça fait super plaisir franchement, merci beaucoup. Un monde Minecraft peut se créer sans un biome? Sans un biome, c'est-à-dire? Pour le succès qui requiert d'avoir tous les effets du jeu, tu feras comment? Bonne question. Je vais regarder des vidéos, je vais me renseigner comment est-ce que je peux faire. Je sais que c'est possible, parce que de toute façon on a des pommes d'or, on aura des notch apple. Parce que ça, il faudra que j'en trouve dans tous les cas pour faire l'advancement où il faut que je mange toute la nourriture. Mais après, comment faire exactement, je sais pas. T'as besoin d'une compo ce soir? Ouais, je pense, ouais. Je pense, ouais, je suis chaud en vrai. C'est quoi la couche pour miner dans les Mesa, vous savez ou pas? Et oui, Caliste il est chez la cassée, ouais, tout à fait. Prendre les notch apple avant toutes les potions de damage, ouais. Sinon, c'est quand que tu fais quoi, t'as dit, Litchi? Un Among Us avec tes modos? Among Us Vanilla? Jamais. Among Us Vanilla, je trouve ça horriblement chiant. Voilà, je le dis maintenant. Among Us sans aucun mode, sans rien, c'est horriblement relou, quoi. Entre 3 et 256, bah en vrai, je mine tout droit, non? Entre 32, bah je... Voilà. Ah, vous avez fait du modé hier? Vous avez fait du modé? Comment vous avez eu le mode pack? Comment vous avez eu le mode pack? Among Us avec les modos. Oh. Est-ce que vous êtes assez gentil pour ça? Oh! C'est Mod qui l'a donné? Comment il l'a eu, Monsieur Mod? Putain, il a hacké Monsieur Mod pour l'avoir. Hein. Hop. Merci beaucoup, Hermis FN, je ne sais pas comment on prononce tout le pseudo, mais du coup, voilà. Hein. Bon, bah, je descends, hein, c'est parti! Ah, c'est pas le même que Fuka, c'est un public? Ok. Pour le succès, quasi tous les mobs du jeu, il faut battre le Warden. Je crois pas, non. Justement. Je ne crois pas. C'est pour ça qu'on s'en fiche. Faudrait que je récupère un petit peu d'or, hein, quand même. Hein. Ça serait bien de récupérer de l'or. Hein. Pourquoi tu t'embêtes avec l'or? Parce que bah, c'est pour faire du... pour faire le full beacon, quoi. Et en vrai, je me disais que dans le Mesa, il y aurait sûrement beaucoup plus d'or que du fer dans la couche normale. Mais en fait, je suis en train de me dire que finalement, c'est un peu pénible. Hein. On va pas se mentir, quand même, hein. C'est un peu chiant quand même, fais voir, je vais aller voir cette dripstone cave là qu'on a en dessous. Oh ouais, non mais non. Oh j'ai la flemme, vas-y, nique, hein. Vas-y, on fera du fer. Hein. On fera du fer et des émeraudes avec les PNJ. Hein. Ouais, on va pas s'emmerder. Hein. Ouais, même ça me prendra 10 ans, mais écoutez, hein, je m'emmerderai pas. Hein. Hop. Les Pokémon Gus me manquent pas du tout perso. Mais moi j'ai rejoué il y a pas longtemps, je te jure, hein. Mister JD continue de m'inviter pour les Pokémon Gus au Vanilla, mais je n'y arrive plus en fait avec ce jeu en Vanilla. Hein. Je trouve que c'est chiant quoi. Je trouve que tu t'emmerdes sur le jeu. Genre c'est vraiment trop nul maintenant je trouve. Enfin c'est mon avis hein.
Vraiment, le vanilla sur le jeu, c'est soit t'es imposteur et t'essaies de t'amuser, soit t'es crewmate et t'as tellement joué au jeu que du coup, bah, tu sais reconnaître directement rapidement qui est imposteur et tu t'amuses pas, quoi. Ah oui, faut que je trouve des poissons dans l'océan aussi. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Ok. Faut que je trouve des poissons parce qu'il faut les chats. Il me faut des chats, c'est vrai. Il y a des... il faut que je trouve des chats. Enfin, comment dire, il faut que je trouve des poissons dans l'océan. Il y en a un, il a pris une balle perdue dans le chat là parce qu'il y avait un mec qui s'est mis à spam. Trouver le Deep Dark Air, ouais, mais j'ai pas trouvé l'ancienne cité, mais ça compte pas comme un biome donc on s'en fout. Tant que j'ai eu Deep Dark, c'est bon. Laure, on met ça, c'est au-dessus de 32. Ok, ouais, bon. De toute façon, dans tous les cas, en vrai, c'est un peu aux F là. C'est quoi cette grotte de fou? Regardez les crevasses qu'il y a. Zinzin quand même. Hein. Est-ce qu'on pourrait trouver des petits poissons dans les rivières comme ça? En vrai. Oh! Salut! Donne-moi du poisson, toi. Donne-moi du poisson. Donnez-moi du poisson. Donnez-moi du poisson, Sky. Hop. Gros saumon. Ça marche, le gros saumon, on est d'accord. Hein. Ça marche, hein. Vous m'avez pas scammé, là. Oui, ok, ça va. Bon, on essaie de se trouver un petit peu de saumon, comme ça on fera le tour des chats après, parce qu'il faut quand même que j'en apprivoise beaucoup, hein, les chats, là. Là, c'est... ça va être long, les chats. Hein. RP mouette. À moi, à moi, à moi. Je vais faire ça, c'est parti, hein. Allez, hop. Allez, hop. Oh! Et... hop! Ah, j'ai raté. Putain, merde. Dommage. Allez, donnez-moi du poisson, là. Oh, pourquoi ça donne ça, aussi? C'est quoi, ce merdier? Depuis quand ça donne ça? Je savais même pas. Je découvre des trucs. Les feux d'artifice sont de durée de vol... oh, c'est 1. Parce que j'ai la flemme de faire des 3. En soi, il faudrait, hein. Bon, c'était pas un youtubeur, mouette. Ouais, c'est... maintenant c'est un tweetos, quoi. Mouette. Mouette volante. Putain, il va falloir tellement de poissons, les gars. Je vais tellement pêcher pendant 10 ans. Coucou! La tour de Pillager, coucou! On va clairement pas s'en approcher. Coucou! C'est quoi la site de la map? Je la donnerai à la fin. Parce que j'ai pas envie que des gens aillent tricher avant en me donnant les coordonnées des biomes et trucs comme ça. Je la donnerai à la fin quand j'aurai réussi. Ou perdu. Je donnerai pas avant parce que sinon les gens vont aller sur Chunk Base et vont me donner des biomes et tout et j'ai pas envie que les gens trichent quand. Pour combien de subgifts tu meurs? Là définitivement? Oh 1000 hein, en vrai hein, ça me fait chier hein. Ça me fait chier de fou hein. Je comprends, merci. Pas de soucis mais je la donnerai, hein. Y a aucun problème. Hein. Je le mettrai dans la description de la vidéo si jamais j'en fais une même. Hein. Mais j'ai pas envie, j'ai trop peur que les gens trichent ou essaient de me backseat hein, en mode « Si tu vas dans cette direction là, je pense que tu vas trouver quelque chose. Mais je ne suis pas sûr. » Hmm. Ah, je veux pas de triche en fait. Va dans la tour pour le template. Hein. Le template hein. Ah, le smithing template, mais j'en ai pas besoin si. C'est que dans les... Que dans les Deep Dark, non, qu'on les trouve maintenant les templates qu'il me faut, non? Ou je suis con peut-être. Coucou mes petits chats. Coucou mes petits chats. T'avais pas dit 200 la dernière fois? Bah ouais, mais à chaque objectif qui augmente, j'ai de moins en moins envie de mourir quoi. Ah, Eden! Eden, déjà pour commencer, hop! Alors c'est quoi? C'est quoi celui-là? Celui-là c'est... je... ouais, ok, alors attendez, on va le cocher sur le doc. Attendez, je vais le cocher sur le document. On commence les chats, c'est parti! Merci. C'est le Calico, ok, le Calico. El Calico. C'est Kira, ouais, c'est plutôt Kira. Hein. Je viens de découvrir que Minecraft avait des dromadaires, je vais péter mon crâne. Après ça date, hein. Merci Zoro, ça fait super longtemps que je suis pas venu sur Telaf, merci beaucoup mon ref. Hein. Les templates décoratives, il te les faut toutes, mais tu en as deux dans les cités. Ah, il y en a que deux dans les cités, le reste est dans les... n'importe où. Viens petit bouffon, viens! Voilà! Alors... merde, je veux pas te donner du poisson, je voulais pas te nourrir, t'es fou toi. Ok, on en a un deuxième, le chat blanc là. Merci Gogo Chips. Il y a un template qu'il te faut dans les tours de Pillager. Ok, eh bah écoutez. C'est entendu. Oh non, il y en avait un autre! Oh non! Il ronronne mon chat. Oh non. Y'a pas des petits poiscailles là? Y'a pas de la poiscaille qui traîne? Ah, y'a pas de poiscaille. Coche le chat. Mais je crois que les modos sont en train de le faire, je crois. Merci Sniper Chand. Merci Zeno, ça avance bien ces objectifs. Bah ouais, hein, mais bon, écoute, c'est long quand même. Hein. On va les dodo avant d'aller dans la tour de pile, genre. Y'a de la poiscaille? Ok, ok, ok. Attends.
On va les faire se reproduire évidemment, comme ça on pourra valider directement que ça sera déjà fait. Sauf que pour les faire se reproduire, on est d'accord qu'il me faut encore plus du poisson. Let's go. Pour les templates, il te faut NCT, Bastion, Nether Fortress, Manoir, Structure, des Taigas, tuer l'Elder Guardian et l'ancienne cité. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre ça sur le doc ou un truc comme ça, histoire que je sache exactement où c'est quoi. Hop là. Tue un lapin pour le lapin cru à manger. Ouais, mais ça à la bouche, je vais le faire après, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a un LG après? Eh oui, à 21h, il y a tout à fait un LG UHC, eh oui. Pourquoi il y a une fantôme membrane? Toi, ta mère, toi, tu vas voir, toi, mon gars, viens, hop là, voilà, hop. Ah, c'est bon. Merci, Litchi, c'est gentil. Oh, regardez. Ça sent le biome chaud, ça sent la poiscaille, ça. Hein. Ouais, ça sent d'ici, là, on sent l'odeur. Hein. Oui, c'est un LG groupe, évidemment, on est dimanche soir, donc évidemment, bien sûr. Ça sent le poisson, ça. Hein. Ça sent le poisson. Ça sent très fort le poisson, là, non? Non, apparemment pas. Ça sent pas le poisson? Oh! Oh! Choc barre! Oh! J'ai récupéré des trucs intéressants là-dedans, là. Mais dis donc, rabbit food et rabbit hide. J'ai récupéré des trucs intéressants, ça, ça se régale, hop! Voilà, comme ça sera fait au moins. Je viens de déguster le best-of. Il est ouf, j'ai même pas senti les 45 minutes. Je te remercie, Louis Lar, merci beaucoup. J'aimerais bien, les amis, avoir du poisson. Je savais que j'aurais dû pêcher, hein, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Fallait qu'on pêche, hein. Fallait qu'on pêche, hein, mais vous vouliez pas. Vous étiez en mode non, les poissons dans les océans, ça va plus vite. Nanana, voilà. T'en es où du coup? Bah écoute, j'ai quasiment trouvé tous les biomes là. Il me manque toujours ce fucking marais, hein. C'est un running gag, hein. Mais et là, je suis en train de faire les chats, sauf qu'il me faut de la poiscaille. Poiscaille qui n'est pas là. Tiens, hop, toi tu dégages, mon pote. Toi aussi tu dégages. Bon, en fait, non, mais de toute façon, la bouffe, en fait, c'est bon, je l'ai maintenant, hein. Tu vas prendre une pause ou enchaîner direct sur la G? Non, j'enchaîne direct. Il y aura pas de pause. Merci Sniper Chan aussi, je ne sais pas si je t'ai remercié. Merci Zoro également. Tout à l'heure, je ne sais plus si je vous ai remercié ou pas, mais merci à vous les gars. Pourquoi ne pas faire un LG UHC avec que des personnes qui connaissent très peu Minecraft? J'ai déjà essayé d'organiser ça, mais le problème c'est de trouver ces personnes, qui est compliqué. Parce qu'il y a plein de gens qui en fait ne sont pas vraiment intéressés par ça, quoi. C'est ça le souci. Non, en fait, je peux pas manger dans tous les cas Bluetech parce qu'il faudrait que j'aille faire à manger, donc faire la cuisine, etc. etc. Donc ça prendrait une heure. Et puis moi je suis très long pour manger. Donc non, c'est pas grave, je mangerai après mon live ce soir, tranquille. J'ai mangé avant, je mangerai après, c'est bon. T'inquiète, ça. Je suis quelqu'un qui suis extrêmement long pour manger, il me faut une heure pour manger, quoi. Donc entre faire la cuisine et manger, laisse tomber, quoi. J'avais fait qu'à une heure et demie, quoi. Je reviens tout à l'heure pour le LG. À tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure. Hop, on va dégager ça. Hop. C'est bon, j'ai eu mes deux poiscailles ou pas? Non, j'en ai eu qu'un seul. Ah, c'est chiant quand même les élytras dans l'eau comme ça, hein. C'est relou quand même. On va pas se mentir, hein. Le dernier biome, c'est le Basalt Delta. Non. Ah non, mon pote. Ah non, je crois pas. Hein. J'écoute tes lives tout en étudiant, c'est les muscles et le squelette, tu me remontes le moral en regardant ça. Bon courage, mon gars. Les muscles et le squelette. Hein. C'est de la SVT ou des études de médecine, hein. Le taf sur le best-of est énorme et le montage est banger. Merci au monteur de souvenir, c'est Xayl, pas sur le pseudo. Ouais. Alors en gros, je vous explique un peu. Xayl a s'est occupé de toute la partie déjà de base de juillet à novembre, octobre-novembre. Et moi, j'ai des rushs et j'ai assemblé tous les autres clips que vous avez vus dans le reste du best-of. Donc c'est-à-dire il y a 20 minutes à peu près où c'est moi complètement. Et on a assemblé tout ça. Il a ajouté quelques effets sur ce que j'avais fait moi. Et voilà quoi. Je vais faire la tour de Pillager, vous avez raison, vite fait. Et voilà. Médecine. Aïe. Quel enfer. Elle est où la tour de Pillager? Elle est là. Donc en haut, vous dites que... Ah bah super. Merci à tous. Voilà. On est très contents. Bravo à tous. Bravo tout le monde, y'a rien. On est d'accord que c'est pas dans l'étage inférieur, hein. C'est bien ici, hein. Ouais, bon bah y'a rien. Ciao. Bon bah on se casse, hein. C'est pas grave. On se casse, faut que je retourne au village. Et surtout que je trouve encore plus de poissons, quoi. Les vidéos que tu fais sur YouTube sont incroyables. Merci Azibub, original. Ah si c'est original alors là. Que dire de plus? À part merci. Ils veulent pas spawner ces petits poissons là? Ah bah là y'en a. Hop. Moins un. Moins deux, mon aim. Moins trois, mon aim catastrophique, hein, bien sûr. Alors est-ce qu'on peut se faire un autre petit chat? Parce que vous avez vu, il y avait des chats là. Donc est-ce qu'on peut se faire un autre chat? Oh oui, y'en a là aussi. Magnifique. Tu cherches quoi? Je cherche du poisson pour faire les chats, pour avancer l'objectif des chats. Et donc là, oh oui, il y a plein de poissons. Ah oui, 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 régalez-moi, donnez-moi de la bouffe, de la nourriture, tout ce que vous voulez. Moi j'adore.
J'adore la bouffe et j'adore le poisson aussi dans la vie. C'est pas médecine, je suis au QC, donc secondaire 3, genre 15 ans. Ok, ouais, donc c'est comme nous, d'accord. Ok, ok, je vois très bien. D'accord, d'accord, je vois très bien à quoi ça correspond chez nous. Bah bon courage dans tous les cas. Demain parcelle d'anatomie, mais le live est clairement plus intéressant. Eh ben, tu vas bien t'éclater, quoi. Eh ben, ça... Il y a beaucoup de bébés, là. C'est quoi, ce village, hein? Ça... Ça kenne bien, là, dans ce village, hein? Ouais, ouais. Il y avait pas un autre chat, là? On avait vu un autre chat, non? Ou c'est moi qui ai complètement fumé? Il y en avait un autre de chat, on est d'accord, là? Il s'est barré. Doc update, je pars manger, donc note les chats toi-même. Ça marche, Litchi, merci. T'es à combien de render distance? 32. Partiel de pharma mercredi perso, mais c'est vrai que le live est cool. Putain, franchement, bon courage les gars. Moi je suis très content d'avoir fini tous mes partiels là. Franchement, quand je lis ça, très content d'avoir fini toutes ces périodes là, les partiels, les trucs comme ça, c'était un stress permanent là, horrible. Vraiment, hein. Le village qui applique le réarmement démographique. Mais c'est à ça que je pensais, ouais. C'est exactement à ça que je pensais, ouais. Oh! Salut bro, ça va? Viens manger mon poisson, monsieur le chat! Viens manger mon poisson! Viens, il est bon mon poisson, il est frais! Viens manger, voilà! Ok, donc lui, c'est quoi sur le dock? C'est le raid, il s'appelle raid. Ok, c'est coché. Ça fait 3, hein. Ça fait 3 déjà, ça fait 3 sur 8, hein. Ça fait 3 sur 8. Je voulais pas faire ça. Ça fait 3 sur 8, 3 sur 11, pardon, pas 3 sur 8. Pourquoi j'ai dit 8? Je ne sais pas. J'ai confondu. 3 sur 11, ouais, c'est ça. Bon bah, on se casse, les gars. Oui, c'est ça, vous pouvez ronronner tant que vous voulez. Mais il est où mon autre chat, là? Il s'est noyé ou quoi? Où est mon chat? J'avais un autre chat, non? Bah... J'ai perdu un chat ou quoi, les gars? Bah... Il est où mon cat? Il est où mon cat? T'en avais deux autres, bah ils sont où? Il y en a un là-bas. Il est à moi, celui-là, non? Peut-être pas à moi, celui-là. Hein. Je l'ai eu, celui-là, même? Ouais, le blanc, je l'ai eu, celui-là, ouais. Bon, au pire, Annick, hein, on s'en fout, hein. Hop. Ok, voilà, comme ça, moi, vous allez... Est-ce que pour les faire reproduire, faut juste que je les nourrisse comme ça? C'est beau, la nature, hein. C'est beau, la nature, hein. Ouais, ouais. C'est beau, la nature, hein. Est-ce que c'est le... Est-ce que c'est un British, lui, ou pas? Ah ouais, je l'ai déjà eu, lui. C'était un British. C'était un British, on le reconnaît à ses yeux. Regardez-moi ses yeux, là. Ouais, on le reconnaît. Ok, bon par contre je peux cocher le 2 by 2 là, hop. Je peux cocher 4. Tac, voilà. Ouh. Ouh. Et c'est ainsi que Dieu créa la vie. Et j'ai donc 3 chats désormais, ça fait archi plaisir. Comme dans la vraie vie, tu donnes un burger à 2 humains, il y a un petit qui sort. Oh là 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 là, me parle pas de burger maintenant. Il est 20h, j'ai faim là, je mange dans 3h30 là. Me parle pas de burger là. Je vous en prie monsieur, hein. Et non, le dernier biome, c'est toujours pas le basalte delta. Hein. Non, non, j'ai déjà fait le basalte delta. Ton épée va mal. Hein. Ça va, en vrai. Ça va, ça va. Merci, Sacha. Merci beaucoup. Bon, allez, on se barre ou quoi, maintenant qu'on a eu tout ça, là? Maintenant qu'on a vu tout ce qu'on voulait. On se barre ou quoi, l'équipe, hein? Hop. Voilà. Elytra parfaitement réparé, tout est nickel, on se casse de là, ciao. Il est l'heure, messieurs dames, de trouver Marais et île Champy. Un petit documentaire sur la reproduction des chats. Oui, oui, on va faire ça, oui, clairement, j'ai que ça à faire là. Merci Matt. C'est ça, ouais. Dans le Marais, tu pourras trouver un chat, ok. Eh ben, on part tout de suite, hein. Pourquoi tu fais pas de vidéo sur ces survies? Parce que je vais faire une seule grosse vidéo à la fin. En gros. Que niveau 51? Ouais, parce que j'ai utilisé plein de niveaux. C'est pour ça. Marée à gauche. Non. Tu m'as mytho. Tu m'as mytho! Narcios. T'es fier de toi de me mytho comme ça, vraiment. Hein. Vraiment. Hein. Merci pour ce Merci Mimpos. De plaisir. Bon bah c'est parti pour explorer. Hein. J'ai vu de la boue. Après de la boue c'est pas un marais. Hein. Bah, de la boue c'est... De la boue c'est la mangrove. Hein. Après, est-ce que les marais n'ont pas été remplacés par ça maintenant? Je pense pas, mais bon, non. J'ai mal aux yeux avec ce shader, mais arrête de te plaindre. Le jeu est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez, on met le jeu à 32 chunks de distance. Regardez comme c'est beau. T'as pu prendre des forces, manger pour le jeu ce soir? Non, 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 je mange après mon stream. Et merci Vimpos, hein.
Non, malheureusement, j'ai pas le temps de manger avant. Parce que là, si je devais aller manger, faudrait que je cut. Et que même là, si j'allais cutter, le temps de faire à manger et de manger, je serais quand même en retard. Donc c'est mort. C'est dead. Une vidéo en mode entre du maître. Un peu, ouais, en soi, une vidéo comme ça. Dans ce style-là, un peu dans le style que fait Julgan aussi. Enfin, des vidéos récap, quoi. Un mix entre ça, ce que fait l'entre du maître, ce que fait Julgan et moi. Non, mais elle stream là aussi, Starpage. Elle stream là aussi, je crois. Warped Forest, peut-être le dernier biome. Mais non, mais j'ai fait tous ces biomes-là, mon gars. Je sais très bien c'est quoi mes deux derniers biomes. Je les connais. Je sais que c'est Marais et Île Champi. Il me manque que ça. Je sais très bien ce qui me manque. T'inquiète pas. Tu peux pas avoir de service à table à la maison. Faudrait avoir un serveur à la maison. Un restaurateur qui nous fait des plats personnalisés. Exceptionnel. Breath of the Wild, pourquoi t'as pas fait de vidéo? Parce que je trouvais pas de concept intéressant à faire dessus, donc j'avais pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo, quoi, en gros. Ouf, failli toucher le fond, hein. Ça a failli toucher le fond, hein. Ça, c'est quoi? C'est un autre type de poisson, du coup? Ouais, ça, c'est un tropical fish. Hein. Ça, il faudrait que je le mange, moi aussi, ça, non? Bon. Alors, avant toute chose, messieurs, dames. Avant toute chose. Hop. Avant toute chose, on va regarder s'il n'y a pas un truc là, vous savez, les ruines là. C'est ça que je veux. On va regarder s'il n'y a pas une ruine. J'ai plus de bateau, c'est une catastrophe. C'est une cata. C'est super. C'est super génial. Bah, je suis très 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 heureux du coup. Bah ouais, bah je suis absolument heureux. Franchement, là, heureux comme jamais quoi. Ça ne te mange pas le tropical fish hein. Ça sert à quoi alors? Rien? Si ça sert à rien, j'ai le seum. Hein. Hop. 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 Alors, voyons voir s'il n'y a pas des petites ruines qui traînent ici et là. Attendez, on place notre écran comme il faut. En bas, c'est pas une ruine. Non, ce n'est pas une ruine. Si ça se mange. Ah bon? Ah bah, faut savoir. On me dit ça ne se mange pas et d'autres me disent ça se mange. Coordonnez vos infos, s'il vous plaît. Chat! Il y a des sites où tu rends de l'acide de ton monde et ça te donne la carte de ton monde. Ouais, mais c'est ce qui s'appelle de la triche, mon ami. Si tu veux, il y a des sites qui te donnent directement là où tu dois aller. Et du coup, directement te font finir le jeu, quoi, en fait, en gros. Ça s'appelle de la triche, hein. Ouais. Et non, du coup, j'ai pas envie. Non, non. KDSL. Non, mais je sais. En vrai, il y en a beaucoup qui considèrent pas ça comme de la triche, mais moi, tout ce qui est externe à Minecraft, je considère que c'est de la triche, en gros. Pour moi, c'est pas... C'est pas à utiliser quoi. En gros. Mais t'inquiète, y'a pas de soucis. Le poisson clown se mange, oui, cru. Ok. Là, ce que j'aimerais bien trouver, les gars, c'est une petite ruine, mais j'ai l'impression que, comme d'habitude, il n'y a rien du tout. Parce qu'il faut que je fasse les trucs du sniffer, donc c'est l'enfer. Tu devrais mettre la minimap et la map de Lunar, comme ça tu vois si t'as loupé ce que tu veux. Non, mais en vrai... Ah, j'ai une minimap, même sur Lunar Client. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, bah ça à la limite ça va ouais, pour le coup ça à la limite c'est... Il y a une touche même pour la minimap. C'est vrai qu'en soi, après faudrait que je la déplace par contre, parce qu'elle est pas très bien mise là. Il y a une map pour l'afficher en grand ou pas? Open full view. Non, j'ai pas mis ça, j'ai pas mis semi-colon, j'ai mis M. Ah ok. Ouais tu vois voilà, ouais tu peux pas... Ouais mais c'est cheaté un peu non? Ah non ça c'est ce que j'ai exploré ça, on est d'accord. Ça c'est ce que j'ai exploré moi, on est d'accord. C'est en bas à gauche pour tout voir. Hein. Ça là. Ah ouais. Ah oui, ok. Waouh. Ah oui. Ah oui, c'est sympa en vrai. Ouais, bon, bah là on peut voir qu'on a que des biomes chauds autour. Hein. Ouais. Là, il y a que du biome chaud autour là. Quel enfer, putain. C'est beau en tout cas, hein. C'est beau, hein, mais quel enfer. Hein. Faudrait que j'aille par là, je pense. Faudrait que je me dirige par ici. Donc c'est-à-dire vers... Ouais, vers moins 18 000, moins 22 000, quoi. Vas-y, on va aller là-bas, hein. C'est parti, hein. J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir, les gars. Franchement,
J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir avec ce truc, vraiment. Hein. Elle est nulle, celle de Lunar, il y a des modes beaucoup mieux. Ah ouais, mais bon, je suis avec Lunar client, donc... C'est pas ce que tu as chargé, c'est un rond parfait. Bah après, je suis à 32 de render distance, donc c'est peut-être pour ça. Hein, que ça charge aussi bien, entre guillemets. Non, j'ai pas tué de Silverfish, Matt. Non, 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 non. Merci Creep Alex aussi, je sais plus si je t'ai remercié ou pas. Et ouais, encore de la jungle, mais j'ai l'impression qu'on va jamais y arriver, les gars. Vraiment, à trouver Marée et l'autre truc là, c'est l'île Champy. J'ai l'impression qu'on va jamais y arriver. C'est ce que t'as chargé depuis que t'as activé la minimap. Ah, tu penses? Ouais, ça paraît logique, hein. Tu peux agrandir ta minimap pour un meilleur rendement sans voir tout le temps ta world map. Comment je fais pour voir ça? Attends. Minimap. Ça doit être là-dedans, non? Je dois pouvoir la toucher. On va voir si je fais ça. Oula! Map zoom. Scale. Ok. Je suis en train de tout tester. Ok. C'est moche. Ok. Ok. Ouais. Il y a un temple de l'eau. Ouais, je sais, mais bon, après les gars, je vais pas m'emmerder à venir faire un temple à 20 000 blocs. Hein. J'en ai un qui est plus proche. Hein. Elle sert à rien, ma map, là, je peux rien en faire, les gars. Ouais, j'ai passé un temple, mais bon. Non, mais c'est bon, hein. Augmente tout. Bah non, mais j'ai pas envie de mettre la map en grand sur l'écran, quoi. Je trouve ça archi dégueulasse, quoi. Franchement, c'est horrible. Hein. En vrai, les gars. En vrai. Ouais, c'est quelque chose, hein. Ouais, c'est quelque chose, hein. Wouhou! Ça se génère très très bien. Ton datapack a pas un bug qui enlève le biome swap? Bah non, parce que j'ai ajouté le datapack après, donc... Non, je pense vraiment juste que j'ai pas de chance pour le biome swamp. Hein. C'est un truc de fou, hein, vraiment. Hein. Je n'ai rien, j'ai pas trouvé de biome marée, quoi, depuis le tout début. Je cherche quoi? Un biome marée et un biome île champi. Swamp, c'est beaucoup plus dur à trouver. Mais même là, c'est même pas que c'est beaucoup plus dur, mais c'est que là, j'ai fait 30 000 blocs, quoi. Non, mais vraiment, c'est... J'ai fait 30 000 blocs au total. C'est incroyable. Salut Joe le Viking, ça va? C'est abusé quoi de autant galérer pour trouver un biome quoi. Oh! OMG! Oh, il faut se plaindre! Ok, il manque le marais. Non mais c'est abusé que le dernier biome qui me manque ce soit marais quand même, hein! C'est abusé que le dernier biome qu'il me manque ça soit marais! Non mais c'est hallucinant! Oh, j'aurais dû prendre du blé pour faire reproduire les vaches champies. J'aurais dû faire du blé. J'aurais dû faire du blé, les gars. J'aurais dû faire du blé pour reproduire les vaches champi. Parce qu'on est d'accord que ça compte, je suppose que ça compte comme un mob, non? Tu peux en faire à côté, ouais, c'est ce que je vais faire. Hein. On va aller en faire. Hein. On va faire du blé, on va reproduire, comme ça au moins ça sera fait direct. Parce que là sinon... OMG! Ok, ça régale. Bon, je suis désolé en vrai, mais je trouve la minimap c'est archi moche. Hein. Voilà, je le dis. Ouais, bon bah on va aller à côté. Hein. On va aller à côté. Tac. Ok, je vais aller faire vite fait du blé rapidos. Hein. Et puis je reviens, ok? Mais weapon pour te souvenir. Non, non, mais j'ai noté les coordonnées, t'inquiète. J'ai pris un screen de toute façon. Ouais, c'est bon. T'inquiète en vrai. Je vais juste casser de l'herbe et je vais refaire. De toute façon, je le vois d'ici, donc c'est bon. Je sais que c'est là. Voilà. Donc en vrai, t'inquiète, c'est bon. De toute façon, j'ai visité le biome. Maintenant, il me reste du coup... Voilà, il me reste un dernier, c'est le marais quoi. Non mais c'est quand même fou de se dire que le dernier biome qu'il me manque, c'est quand même marais quoi. Non mais c'est... Je suis vraiment étonné quoi. Hein. Ouais, les tortues, j'en ai à côté de chez moi, ça c'est ok. Et d'ailleurs pour reproduire les tortues, je sais même pas comment on fait. Je sais même plus. Ah si, je sais. Si je sais comment on fait en fait. Si je sais. Si, faut des algues. Hein. Sauf que je crois les algues, on peut... Est-ce qu'il faut les péter avec la ou? Pas avec la ou la cisaille ou on s'en fout ou je les fais à la main? C'est du seagrass ou du kelp qu'il faut? C'est un des deux. Seagrass, hein, je crois. Du coup, si c'est seagrass, ça veut dire qu'il faut... Il faut le faire avec ça, je crois. Avec la cisaille. Et ouais. Non, ça. Hop. Mon inventaire, c'est n'importe quoi, les amis. C'est n'importe quoi, mon petit inventaire. Pas très joli, hein, mais bon. Voilà, si grâce, parfait. Et comme ça, je vais reproduire mes petites turtles, là, qui sont là. Comme ça, moi, ça sera fait, on pourra le cocher dans le dock. Merci, Lups, pour le sub.
C'était où les tortues là? Ah, elles sont là. À gauche. Ok, il y en a deux. Parfait. S'il y a 3 ou 4 tortues, tu les, elles en loot. Hein. Non, mais c'est bon, regarde. Hop, hop, allez. Faites des gosses là. Wouah, tout ce qu'il y a par contre. Allez, plus vite, hein. C'est bon? Je suppose que c'est bon, oui. Parce que ça m'a donné de l'XP. Ah, il faut qu'elle aille pondre. Ok, vas-y, pond. Ça a dû le compter, non, je pense, dedans, non? 2x2. Oui, c'est bon, ça a compté. Ok, je coche. Turtle, tac, c'est coché. Les vaches champignons marrons sont des mobs différents ou pas dans le jeu? Je pense que oui, donc du coup, à mon avis... Ouais, mushroom, ça compte. Donc mushroom, on va le faire tout de suite. Hein. Vas-y, pont, on s'en fout de toute façon. Donc il me faut du blé, les gars. Il me faut du blé. Merci. Donc il me faut du blé. Du coup, on va s'empresser de faire ça. Bon, j'avoue que c'est pas le truc le plus cool à faire, mais bon, on n'a pas le choix, quoi. Hein. Et ouais, on n'a pas le choix, hein. J'aurais dû y penser avant. J'y ai pas du tout pensé. Il me faut des os aussi. C'est ça le problème. Il me faut des os là. Après, cisaille les moucherons pour avoir des vaches. Hein. Ouais. C'est quand que la nuit elle tombe? Ok, c'est dans pas très longtemps, ça va. C'est ok, ça va aller. Papa, on va essayer de trouver des petits squelettes. Hein. Ça va aller, vous inquiétez pas. Sinon, je me fais un composteur. En vrai, c'est une bonne idée, ouais. Composteur, c'est ok. C'est vrai, ouais. Merde. Oui, je suis un abruti. Oui, c'est avec des dalles. Oui, j'ai oublié. Hop. Comment tu vas faire Furious Cocktail? Bah, je vais en chier. Hein. Merci, Itak. Les deux derniers mois ont été infernaux, mais mardi, je passe ma soutenance et après repos et ma tâche de stream. Let's go, mec. Bon courage. Bon courage hein, pour la soutenance. Hein. Bon courage, hein, vraiment. Hein. Très, très bon courage, hein, vraiment. Quand même très pratique hein, la bonne mille, on va pas se mentir. Hein. Enfin, le composteur comme ça, quand même très très pratique. Hein. Vraiment, ouais. Surtout le fait qu'il y ait des fleurs un peu de partout là, ça régale. Hein. Ouais, ça met vraiment très très bien. Y'a pas d'autres petites fleurs qui traînent là? Merci, je croise les doigts. Mais oui, tu vas réussir sans problème. Hein. Tu vas réussir sans trop de soucis. Là, tu fais quel objectif? Je suis en train d'avancer les objectifs un peu relous là. C'est-à-dire là, j'essaie de trouver tous les biomes. Et du coup, vu que j'ai trouvé le biome mushroom, je vais reproduire directement les vaches. Enfin, les mushrooms là. Les mushrooms, comme elles s'appellent, les vaches champies quoi. Comme ça au moins je pourrais le cocher et j'aurai plus jamais besoin de revenir là. Parce que franchement, revenir à 20 000 blocs, t'as pas envie. Hein. Ah oui, les feuilles des arbres. Bien vu les gars. Bien vu en fait. Bien vu la team. Vous êtes les boss en fait. Attends, je me libère juste de la place dans l'inventaire. Bien vu la team. Ah, elle est là. Enfin, hier j'ai commencé, enfin pas hier mais on a commencé à regarder Solo Leveling là quand c'est sorti. Du coup il y a 2 semaines. Hein. Au début j'étais en mode, tout cas rien à voir, mais voilà, ça me vient en tête comme ça quand j'écoute ce genre de musique. Au début j'étais en mode ok, c'est ok tiers, en fait c'est exceptionnel, hein. C'est ouf, hein. C'est trop bien. Regardez ça, c'est trop bien en fait. Ok, je crois que c'est bon, non? Ouais, c'est bon. Ok, je crois qu'on est bon les gars, je crois qu'on est pas mal. En soi, c'est bon là, j'ai tout ce qu'il me faut là, d'accord qu'on s'en fout du reste après là, on s'en branle du reste. Oublie pas quand tu seras dans un biomarais de tamer le chat noir, ouais. Pour ça, il me faut encore du poisson, de la poiscaille. Là, c'est bon, là. Les feuilles de parchemin aussi dans le composteur. Si, du coup, ouais. Les œufs, on est d'accord qu'on s'en fiche, hein. On est bien d'accord. Allez, ciao! Oui! Je veux l'écouter, mais j'ai déjà tout lu le... Maintenant, du coup, je sais pas si le réécouter vaut la peine. Tu parles de solo leveling, du coup? Moi, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment cool à regarder. Moi, je connais pas du tout, donc je découvre et je trouve ça vraiment stylé. Ça parle de quoi? Je parlais de solo leveling qui est sorti récemment. J'ai trouvé ça vraiment cool. Les premiers épisodes, j'étais en mode, les deux premiers, j'étais en mode ok. Le troisième est sympa là. Ça donne envie de voir la suite. Et le premier, il était long, hein, par contre. Enfin, il n'y avait pas grand chose dans le premier. Let's go! Allez, on a fini les mushrooms, ça fait plaisir! Allez, on coche ça. Hop, mushroom, ça fait plaisir. On vérifie quand même, mais normalement, on est à 6 du coup maintenant. 2x2. 6! Yes! Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les gars? Trouver un marais, hein. Et ouais, hein. Trouver un fucking marais quoi. C'est fou quand même. Hein. Non mais ça c'est hallucinant. Hein. T'as tué une tortue. Bon, en soi je crois que les tortues on n'a pas besoin de les tuer je crois. Hein, mais c'est pas un mob agressif donc. C'est le début du premier arc. L'épisode 3 tu vas kiffer. Ah mais déjà rien que l'épisode 3 m'a donné juste envie de voir la suite. J'étais dégoûté quand ça s'est fini. Hein. Je te conseille le lecteur omniscient qui sort bientôt en animé. Ok ouais. T'as tué la vache. Hein. Ouais j'ai tué la vache mais la tortue je sais pas s'il faut la tuer. Hein. Les champignons marrons ça compte pas. De quoi les autres? Si.
champimeux marron. Ah non, mais il y a pas de champimeux marron, ça existe pas surtout en fait. Ça n'existe pas, c'est les seuls champimeux, c'est ça. Hein. Ah, l'animé parle de quoi ? Comment résumer très simplement ? En gros, est-ce que tu vois les jeux comme les jeux Donjon Mystère, hein ? Je sais pas si ça dit quelque chose, genre par exemple, il y a des jeux Pokémon Donjon Mystère, il y a des jeux comme ça. En gros, des jeux où tu rentres dans des donjons et à la fin, si tu bats le boss, t'as un... Ah si, ça existe ? Ah ouais ? Champimeux plus foudre, ah bon ? Je savais même pas alors. Mais non, mais du coup, c'est pas... Ça compte pas du coup. C'est pas dans le doc. En gros, c'est ça. Tu vois, tu rentres dans un donjon, à la fin, tu dois battre le boss, etc. Et t'as un loot. Bah, en gros, l'animé, c'est ça. C'est en gros, t'as des portails qui sont ouverts dans un monde et t'as des chasseurs qui, du coup, ont été attribués pour les faire. Chaque chasseur a un niveau, donc allant de genre de A, de S, du coup, pour faire genre les meilleurs. Après, ça fait A, B, C, D, E. Et en fait, bah, en gros, tu complètes ils doivent compléter les donjons pour obtenir les loots, etc. et avoir de l'argent. Sauf que, en vrai, à partir de l'épisode 3, ça va un peu plus loin et en fait. Tu te rends compte qu'il y a des personnages qui ont des quêtes en fait et tout, enfin c'est vraiment trop bien, c'est hyper stylé quoi. La comparaison avec Donjon Mystère, moi je trouve que ça ressemble vraiment littéralement à Donjon Mystère, vraiment, c'est, pour moi c'est la même chose, et Lou m'a fait exactement la même réflexion. C'est la même chose que Pokémon Donjon Mystère je trouve. Vraiment. Bon, on se casse ou quoi ? On va chercher le marais ? J'ai pas besoin de... De toute façon, oui la champimeux on s'en fout non, l'autre champimeux, enfin je crois pas qu'elle est dessus hein. Si je regarde le document, elle y est pas hein. Il y en a bien 16 à reproduire, on est d'accord hein. Ah non, il y en a 24 two by two. Ah bah il en manque là. Hein. Ah, il en manque. Il en manque. Alors ce Gast... Oh, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Pili, 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 pili. Il en manque pas. Bah... C'est juste pas actualisé le chiffre. Ah, c'est juste pas actualisé, ok. Merci Hiro. Donc en vrai, du coup, elle compte pas. Donc c'est bon. Il y en a 24, mais ça compte pas. Ok, c'est bon. Ça marche, ça marche, ça marche. Bon bah vas-y, on se casse, on va chercher un marais. Allez, let's go. OMG, les amis. Dernier biome, le marais. Non mais c'est incroyable. Vous rendez compte quand même d'où on en est là? On en est en train de chercher un fucking marais. Vous rendez compte? J'ai recommencé Pokémon Arceus et j'ai eu un shiny au bout d'une heure 15. Mais c'est incroyable. Arceus, il est trop bien comme jeu. J'adore. Hein. J'ai trop envie de le refaire déjà. J'ai raté quoi? T'as raté le fait que j'ai trouvé le biome mushroom et que là, il me reste que le marais à trouver. Et dès que j'ai trouvé le marais, c'est finito. Les champis marrons sont comme des shiny, t'as à peu près une chance sur 1000 de l'avoir en reproduisant des vaches hein, ou en frappant avec la foudre, mais ça sert à rien, faut pas les reproduire pour l'advancement. Ouais voilà, mais je savais pas du tout, genre l'histoire des champis marrons. Bah après dans tous les cas, moi j'avoue que les champis, j'ai pas beaucoup joué en survie, donc voir ce genre de champis mushroom, bon voilà, c'est pas trop mon truc quoi, j'en ai pas vu énormément, on va pas se mentir. Mais du coup je suis assez surpris du coup que ça existe hein, je savais pas. Vraiment, je ne savais pas, je découvre. 25 000 heures, j'apprends toujours des nouvelles choses. Hein. T'as fait TOTK, j'ai pas fait en stream, mais un peu dans mon coin, quoi. Swamp ou mangrove? Il me manque le swamp. Il me manque le marais. Le pur marais, pur et dur, avec les maisons de witch et tout ça, là où on trouve les slimes, quoi. Il me manque ça. Parce que de toute façon, j'en ai besoin pour avoir des slimes et pour faire les froglites, après. J'en ai besoin, en fait, dans tous les cas. Enfin, pour faire les frogs tout court, pour reproduire les frogs. T'as fait l'archéologie hier? Ouais, mais j'ai pas fini, il me manque le sniffer, sauf que, bon, les ruines, c'est trop chiant à trouver, quoi. C'est ça le problème. C'est comme les villageois frappés par la foudre deviennent des sosos. Ok, c'est stylé de ouf. Hein. Du coup, je savais pas, tu vois. La première fois que j'ai reproduit une champimeux avec une normale, j'ai eu la marron. Du coup, je pensais que c'était comme ça. Ah ouais, putain, mais ouais, c'est incroyable ça. Hein. Le marais est devenu plus rare en 1.20, 1.2. Ah bah là, c'est même pas plus rare. Hein. C'est que. Là, je me pose des questions, là, les gars. Hein. Regardez mes coordonnées. Non, mais sans déconner. Regardez mes Regardez mes coordonnées. Ça existe encore le truc de l'éclairon avec les cheveux squelettes. De l'éclair avec les cheveux squelettes. Ouais, les cheveux squelettes, ouais, ça existe, ouais. Encore, ouais. Je crois que c'est encore rare. Hein. Tu peux utiliser Chunk Bay sinon. Non, c'est de la triche, ça, les gars. C'est de la triche. C'est de la triche pour moi, ça. J'aime pas. Je sens que tu vas l'avoir rapidement le marais. Bah j'aimerais bien, mais bon, en fait, je sais pas dans quel type de biome on les trouve. Est-ce que c'est considéré comme un biome chaud ou froid? Ah, il faut que je tue des chevaux squelettes pour le truc, pour l'advancement. Ah bon? Ça m'a l'air bizarre quand même, en sachant que c'est une chance sur 1000 et quelques, je crois. Merci Kelly. Je sais pas en vrai. Hein. Non, je crois pas hein, qu'il faille les tuer.
Merci Skylight, ça va ou quoi mec? Merci beaucoup. Ça va, jus de citron, ça va très bien. Allez, pitié, 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 pitié. Donnez-moi ce foutu marais là. On trouve tous les biomes du jeu, mais pas le marais quoi. Et les marais sont des biomes chauds, ok. Donc du coup, c'est pas plutôt, c'est pas vers là quoi. A plus Natinou. T'as des poissons pour si tu tombes sur un marais, le chat noir? J'en ai 4. Et ouais, j'en ai 4. Attends, je vais aller voir s'il y a pas vite fait du poisson là. Ici. Ah, du poisson, des chats. Alors attends, je l'ai fait celui-là ou pas? Je me rends pas compte de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je crois que l'autre je l'ai fait. Celui-là je l'ai fait ou pas? Attends, celui-là je l'ai pas fait, hein, on est d'accord. Hein. Non. Non, parce que lui c'est le jelly, c'est ça, non? Non, je l'ai pas fait lui. Merci pour le research. Hop là! Et en plus, allez hop. Ah non, c'était pas lui? Ah non, c'est le siamois. Ok, c'est bon. Merci Yanis, merci Dwarf. Merci les gars. Merci beaucoup Yanis pour le Prime, hein. Ça fait plaisir, merci. Nouveau sub et tout, ça régale. Ok, nickel. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? On est à combien de chats là? Alors, on est à 4 sur 11. En vrai, ça va, c'est pas si long que ça, pour être honnête. C'est pas si long que ça. Ça va. Là-bas, il y a un dog, mais bon, ici, on est plus team chat. D'ailleurs, c'est marrant, hein, parce qu'ils disent qu'il faut trouver tous les chats, mais par contre, tous les chiens, ça, mon gars, hein. Minecraft, ils sont team chien aussi, hein. Je crois pas, le cheval squelette n'est pas obligatoire, car il apparaît qu'en hardcore. Mm-hmm. Ça faisait longtemps que je voulais sub. Merci, Yanis, hein. Franchement, ça fait plaisir, mon gars. Tous les chiens égale 1. Bah ouais, tu vois, alors qu'ils ont créé plein de chats, et les chiens, ils en ont rien à foutre, voilà. Donc team chat du coup. Eh ouais. Eh ouais mon gars. Ils en ont rien à foutre. Vous voyez, vous aussi passez team chat. La vérité est là en fait. La vérité est juste là. Bon ça par contre ça m'intéresse ça. On sait jamais si j'en ai besoin. On ne sait jamais. C'est tellement relou à trouver que franchement... Pauvre, tu quittes le live pour 2 minutes de guile. Au moment où il parle de solo leveling, puis tu reviens et tu relances le live. Tu as la pub, cette pub est pour solo leveling sur Crunchyroll. Hey, ils ont compris, tu vois. Ils ont compris. Ils savent, ils entendent tout. En vrai, ils devraient faire plein de variantes de chats et créer 10 nouveaux mobs qui drop l'item qui permet de faire l'armure de chaque race de chien. Ouais, en vrai, comme ça au moins. Nickel, franchement, très bonne idée, tu sais quoi. En vrai, je pense qu'ils devraient faire un mob qui serait voté par la communauté, qui permettrait, tu sais, d'ajouter des armures de chiens et tout. Je pense que ce serait une bonne idée. Qui a un design en plus archi dégueulasse. Ça serait vraiment trop bien quoi. Tu regardes quoi comme anime en ce moment? Solo leveling. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup qui sort en ce moment? Bah pas grand chose hein, en vrai. Hein. Je regarde. Si je regarde Vinland Saga. One Piece un peu. Et voilà. Déjà faire un vrai vote ce serait bien. Les amis, si vous voyez un marais, vous n'hésitez pas. Hein. Vous savez quoi dire. Vous savez. T'as vu JJK? Bien sûr. Bien sûr. Oh, Vinland Saga GOAT surtout la saison 2. Moi je suis à la fin de la saison 1 je crois. Au milieu je crois, je sais plus. T'as vu les scans de JJK? Non, mais moi j'aime pas lire les scans. Ni lire les scans, ni lire manga. Donc bon. Allez les gars, marée à droite hein. On n'oublie pas évidemment bien sûr. J'espère tellement qu'on va le trouver là. Si j'ai pas envie de continuer à chercher demain, ça va être long. Que penses-tu de ce qu'apporte Webtoon dans la communauté manga anime? J'ai pas d'avis. Je connais pas assez pour donner un avis. Je connais pas assez, pour être honnête. Donc c'est quoi l'acide? Je la donnerai que quand j'aurai fini, sinon les gens vont tricher et aller voir sur Chunkbase pour me donner l'écho du marais, ce que je ne veux pas. Tu regardes pas avec Classroom of the Elite, je suppose, non. Je connais pas. Enfin, je connais de nom, quoi, mais bon. Carnet de l'apothicaire, je connais de nom, mais je regarde pas. C'est l'eau qui regarde. Non, je regarde pas. Eh ben, moins 30 000, hein. Non, mais c'est une autre blague! Attends, je trouve deux îles mushroom et pas de marée? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie? C'est une dinguerie?
C'est une dinguerie. C'est une folie ce jeu. C'est une folie ce jeu. Je trouve deux îles mushroom, mais pas de marée. C'est une folie ce jeu. Vraiment. Vraiment. Carré de l'apothicaire, je regarderai peut-être. On verra. Ouais, Mashle, ça m'a carrément donné envie de regarder. Rien que d'entendre l'opening, là, ça m'a carrément donné envie de regarder. Pour le marais, il faut mettre la musique de Volucité et ta caméra en mode sépia pour tourner 15 secondes sur toi. Mais c'est abusé, quoi. Enfin, je suis en moins 30 000, moins 25 000. J'ai pas droit au bonheur ou comment ça se passe, en fait? T'as fait combien d'objectifs et là, tu fais quoi? Je suis à 88 sur 110, comme c'est écrit dans le titre. Et là, je cherche le dernier biome, c'est-à-dire un putain de marais. C'est pas c'est une folie quand même de pas trouver un marais. Et je suis en train de faire les chats au passage aussi. Mais c'est une folie de pas trouver marais, vraiment. Eh ben, bon bah on continue hein, allez hein. On se barre hein. Pour l'exclamation objectif avec un S, si vous voulez le document qui explique tous les objectifs que j'ai fait et ceux qui me restent à faire. Il a dit quoi? I want to learn French so I can watch your stream, but it's so hard, yes, but because I am speaking a little bit fast. A little bit fast. Just a little. C'est un marais ça. C'est un marais. C'est un marais. Oh. 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 Oui, monsieur. Oh. 31 000 blocs. 31 000 blocs. Pour trouver le marais. Non mais c'est une dinguerie. 31 000 blocs. 31 000 blocs. Mec. 31 000 blocs pour faire enfin ce foutu objectif de ces morts. On n'en pouvait plus, bordel. 89 sur 110. 89 sur 110. Est-ce qu'on peut passer aux 90, OMG? Peut-on passer les 90 objectifs aujourd'hui? Eh ben mon gars. Non mais regardez-moi ça, la gueule du marais quoi. Bon allez, on se cherche des slimes là vite fait, en vrai. C'était long mon gars. Vraiment hein. C'était long hein, vraiment hein. Bon du coup, faut que je trouve un chat qui est dans le marais spécialement, c'est ça? C'est pas lui quand même là, si? Ah! Salut bro. Salut, ça va? Ça va bro? Ça va? Mais j'ai pas de laisse. Ah bah oui, parce qu'il me faut de toute façon, il me faut des... Il me faut des slimes, hein. Il me faut des slime balls. Donc dans tous les cas, je vais rester là, quoi. Il me faut... Attends, quoi? Il me faut une maison de sorcière? Il est dans la maison de la sorcière. De quoi? Oh, le chat, il est dans la maison de sorcière? Ça veut dire que s'il n'y a pas de maison de sorcière, je suis baisé? C'est ça que vous êtes en train de me dire, là? Non, me dites pas ça, s'il vous plaît. Non, me dites pas que... Non. Non, me dites pas ça. Je vais me foutre en l'air. Il y en a une, hein. En bas? Où ça? Il y en a une juste à côté de toi. Où ça? J'ai pas vu. En bas, à droite. Attends, à droite. Oh là! Oh, merci. Oh oui, il y en a une. Oh oui. Oh oui, mais t'es aveugle. Bah, tu crois que j'ai des lunettes? Pourquoi, mon gars? Je vois pas, hein. Oh yes! Oh yes! Oh, il est là! Bro, crois-moi que tu vas venir là, mon gars. Oh, crois-moi que tu vas venir ici, mon pote! Ah putain, mais le bâtard. Crois-moi que tu vas venir là, je vais te le donner ce poisson là. T'as intérêt à accepter mes deux poissons là, je te le dis. Hein. Vraiment. Cours vite, le salopard! Oh non, 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 ça marche pas le tropical fish. Non. Non. Il me faut des poissons. Tu as des codes. Oh oui, j'ai des codes, bien vu. J'ai des codes. Il va où? Il est où déjà? Il est parti où? Il est là. Bro! Non mais quel arnaqueur! Ok, c'est pas grave, je vais chercher du poisson, c'est pas grave.
Je vais mettre le F3B, comme ça je le verrai de loin. C'est pas grave, je vais chercher du poisson. Ah, c'est une dinguerie, vraiment. Mais je vais finir par le... Attends, mais moi j'ai trop peur en fait que... Qu'il se barre en fait, le frérot. Je peux pas l'enfermer en vrai quelque part. Les tropical fish, ça sert à rien, les gars. Je savais que j'aurais dû pêcher, bordel. Ah oui, dans un bateau, bien vu. Dans un bateau, très très bonne idée. Très 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 bonne idée. Bravo à tous. Bravo pour l'idée, bravo à tous. Hop. Le problème, c'est que dès qu'il me voit, il y en a qu'un seul du coup. De chat noir en plus, hein, je suppose. Putain, je vais jamais y arriver, frère. Il y en a qu'un seul, donc là, si je le perds, c'est ciao, quoi. S'il te plaît, mon ref. S'il te plaît. Ok, mais là, on est en bordure. Donc là, tu vas être obligé de rentrer dans mon bateau, je peux te le dire. Là, mon gars... Oh le fils de... Je prends mon temps. Mais ça marche pas du tout les bateaux. Vous m'avez fou le mytho là. Ça marche pas du tout. Bah full mytho. Bah full mytho. J'ai une autre idée. Merci pour le message. Tu ne sortiras pas de là. Tu ne sortiras pas d'ici, mon gars. Ça, je peux te le dire. Tu ne sortiras pas d'ici, mon pote. Ok. Ne bouge plus. J'arrive. Ne bouge plus. Ne bouge plus, je reviens. Je m'occupe de toi dans un instant. Ouh. Je m'occupe de toi dans un instant. Ah, nouveau jeu en tout cas, le spliff chat, c'était quelque chose. Hein. Non, il ne despawn pas, il paraît. Pêche là, mais ouais, mais j'ai pas de fil. Hein. On m'a dit dans le chat qu'il ne pouvait pas despawn, donc normalement c'est bon. Merci Koloko Sensei, merci beaucoup, merci Tiraton. J'espère que le chat il te fait galérer parce qu'en vrai c'est drôle, rien contre toi et tu seras salva ce soir. Je retourne dans le chat, merci Tiraton, c'est gentil. Bah ouais, je me viens pêcher les gars, mais pas de fil quoi. Merci. On est d'accord que là j'ai pas de quoi pêcher sur moi, bah ouais. Merci Bichita Social, Masterclass, le bingo de la cité de l'épreuve des glaces, merci beaucoup. Au pire, ouais, si je le tue, j'ai du fil au pire, c'est une bonne idée ça. Non mais je vais attendre que la nuit tombe, je récupère une araignée, c'est bon. Vous inquiétez pas. Y'a pas d'étoile d'araignée à la maison de sorcière. Non mais mec, j'ai plus envie de bouger, tu sais quoi, j'attends là, c'est bon, j'attends ici les gars. J'attends là, je vous le dis. Non, non, c'est bon. Aujourd'hui, je me suis regardé tous les clips Purgatory et le moment où Jimmy appelle Baji Mommy restera le plus mémorable selon moi, putain. Ça, je vais le mettre dans la vidéo. Hein. J'ai pas voulu tout mettre non plus dans la vidéo, dans le best-of, parce que je veux garder des choses inédites pour la vidéo QSMP, mais c'est stylé quoi. Pourquoi il veut un chat? Parce que malheureusement, c'est dans les objectifs du jeu. Il faut que je fasse toutes les variantes de chat. Ce qui est vraiment la folie quoi. Avant de faire le LG, j'aimerais bien passer à 90 aujourd'hui. J'aimerais bien être à 90 sur 110. Hein. Mais bon, c'est complexe quoi. Je crois qu'il dispawn les chats de Soso. Non, non, mais arrêtez de me dire ça. Mais arrêtez de me dire des trucs comme ça, je vais pas dormir de la nuit. S'il dispawn, je vais pas dormir en fait. Il faut que tu reproduises les crapauds dans différents biomes pour avoir toutes les couleurs, pour avoir les différentes lampes. Bah, c'est super en fait. C'est super génial. Déjà là, je vais profiter de la nuit pour avoir du slime déjà. Et après on verra. C'est pas si long à faire en vrai. Bah j'espère. Hein. T'as réussi le ghast? Non. Mais lui un name tag au cas où. Bah ouais, mais le name tag faut qu'il soit rename, sauf que j'ai pas d'enclume donc c'est mort. Allez la nuit plus vite. Une heure ou deux, Omega l'a fait en bingo. Ok ouais, pour faire tous les... ouais, bon après c'est Omega quoi. Hein. Faut pas oublier ça aussi, hein. C'est Omega. Et Omega tu sais, pas tout le monde est capable de faire ce qu'Omega fait. Omega c'est le GOAT, c'est Omegoat comme on l'appelle. Moi j'ai une question à vous poser, c'est quoi la meilleure boisson hors eau et pourquoi ça? Hop là. T'as Elistra et stuff, c'est vrai. Non, j'ai jamais joué à Palladium. Hein.
Chouette sa grume, faut pas déconner quand même. Ah! Attends, je comprends l'usant. Tu veux dire ça? Je comprends, ouais. Je comprends, ouais. Ouais, voilà, je capte. Ouais, je capte. Ouais, je capte. Je capte tout de suite. Ouais, je capte. Putain, l'Orangina, j'en ai tellement bu quand j'étais plus jeune que maintenant, j'arrive plus du tout. Hein. Oh, mon clavier, il a plus de batterie. MDR. Attendez. Mon clavier n'a plus de batterie. Ok, hop. Hop. Doulip. Bon. Allez. Les araignées, les squelettes, tout ce que vous voulez, faut y aller maintenant. Hein. Allez. Faut spawner. Hein. Je vais devoir pour partir pour casser versus Vitality. Mais il y a des matchs de la casser tous les soirs en ce moment ou ça se passe comment? Attends, mais. Caliste fait un LG à la place de regarder le match de la cassée. Ok, je vois. Donc Caliste en a rien à foutre des matchs de ses teammates. Ok, c'est ce qu'il est donc en train de dire. Ok. Ok, c'est donc ce qu'il est en train de dire clairement aux yeux de tout le monde, quoi. Ok, ok, vu les résultats de la team LEC, je le comprends, ouais, parce que c'est quoi, ils sont 0-4, je crois, non, c'est ça? Je crois que c'est compliqué, quoi. Hier, je suis allé voir, quand j'ai coupé mon stream, j'ai fini de raid low, je suis allé voir dans le salon, il m'a regardé, elle fait, la KC, ils ont encore perdu. J'ai compris tout de suite, tu vois. Ah, putain. Bon, ça arrive ou quoi, là? Bon, allez les araignées, les gars, faut y aller maintenant, hein. J'ai pas fait tout ce chemin, 31 000 blocs, pour pas avoir d'araignée quand même. Hein. C'est quoi ton top 3 animé? Mon top 3 animé... Laisse-moi réfléchir et je te donne une réponse après. C'est quoi ça? Ah, c'est une grenouille, ok. Mon top 3 animé, bah déjà il y a SNK en premier, ça c'est sûr. Je pense que Naruto, j'ai vraiment, vraiment kiffé, en vrai. Franchement, en vrai, même quand je réécoute les OST, je trouve que Naruto, c'est trop stylé. Naruto Shippuden, j'ai trop aimé les deux. Elles vont bien, tes Elytra? Ouais, ça va, elles sont en 283 du rat, donc c'est bien, ouais. Et après, qu'est-ce que j'ai énormément aimé? En fait, j'ai énormément aimé plein de choses, quoi. C'est ça, le truc, hein. Genre, JJK, c'est une masterclass. J'en ai regardé plein des... Bon, après, moi, j'ai regardé que des classiques, donc je pourrais pas vous donner des trucs pas très connus, quoi, tu vois. Pourquoi t'es plus invité pour des Fallen Kingdom? Parce qu'il n'y a plus de Fallen Kingdom, tout court. C'est moi, je me fais un peu couiller sur les meubles là, les gars. Ça spawn pas. Il n'y a plus de Fallen Kingdoms tout court. Hein. Pour combien tu sautes dans la lave pendant 20 secondes? Oh, la flemme un peu. Hein. La flemme un petit peu hein, quand même. Hein. J'ai pas envie de crever là, les amis. Hein. J'ai pas fait tout ça pour mourir bêtement maintenant. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Après, pour 200 subgifts, on peut s'arranger, tu vois. On peut... Oh non. Oh non. Oh non, ça j'aime pas. Je me suis touché par un zombie. Bon bah finalement, oublie mon offre finalement. Oublie mon offre. Oublie ça tout de suite. Ça va aller se refaire des totems je pense après les gars. Ouais. Ça va clairement aller se refaire des totems. Ouais. Très clairement, ça va aller se refaire du big totem. Hein. Ça je peux vous le dire. Hein. Ouais. Mets ton plastron. Ouais. Non mais on va aller refaire des totems là, je vous le dis direct, là. Je finis ce que j'ai à faire dans ce marais, je rentre chez moi et je vais faire des totems. Ouh, c'est beaucoup 100k, bah ouais mais faut regarder le stream mon ami. Après sur le truc c'est que tu dis c'est beaucoup, mais si on mettait moins pour les parties, le problème c'est qu'il y a des gens qui ont des millions et des millions de points de chaîne quoi, donc on s'en sortirait pas quoi. Oui c'est beaucoup mais bon. Je l'entends, ça va. Tu es là mon petit, tu es là mon petit, il est là. Ah, qu'est-ce qu'on est bien maintenant les amis, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien, là on a juste à attendre que les Poiscaille elles arrivent et comme ça on peut s'occuper de ce petit cat. Ça fait plaisir, il peut voir mon message ou pas? Oui, nom de la chanson en fond, là c'est Graze the Roof de Plante vs Zombie. Hop là. S'il despawn devant tes yeux avec ta gigalock. Non, non, mais il peut pas despawn.
Donc c'est bon. De la part d'Omega, est-ce que Dwarf peut s'incruster au LG ce soir? Oui. Il peut tout à fait. Il peut tout à fait, mon ami. Bon. N'oublie pas de mettre un portail du Nether pour transporter les grenouilles du marais dans le Nether pour avoir les trois types de grenouilles en même temps. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais de toute façon, je pense que je vais rentrer du Nether comme ça, hein, je pense. Hein. À mon avis, là, je vais mettre mon portail ici et voilà. Hein. Putain, mais il est gourmand celui-là. Hein. Donc bon. Le seul message inintéressant, il le lit. Intéressant, il le lit. C'est la loi du chat, quoi. Super le best-of, j'ai rigolé tout le long. Merci beaucoup, Link GG. Tu connais Schweppes Ginger? Non. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais goûté. Oh, non, mais j'appuie sur ma molette sans faire exprès. Bon. T'as pensé à créer un Fallen Kingdoms? Oh, oui, mais non, mais Fallen Kingdoms, ça m'intéresse plus du tout, les gars. C'était bien il y a 10 ans, mais Fallen Kingdoms, maintenant, c'est cool une fois par an, quoi. C'est tout. Mais on dort, en fait, en Fallen Kingdoms. Moi, le problème du FK, c'est qu'on dort pendant 2h30 de jeu, quoi, en fait. Hein. On dort pendant 2h30 et après, du coup, tu dois assaut en boucle des bases. Et si tu perds ton stuff, tu dois refaire du stuff. Enfin, c'est Sky Defender, bien mieux que Fallen Kingdoms, hein, qui pour moi, Fallen Kingdoms, c'est très endormissant, quoi. Mais et ça va, tu te déranges pas trop, là, le frérot, le chat, là? Quoi, tu as drop le poisson globe, hein? C'est vrai. Très bonne réflexion. FK c'était bien il y a 10 ans, et, ou alors FK c'est bien quand c'est des gens qui savent pas jouer à Minecraft qui y jouent. Quand c'est des gens qui sont forts au jeu, c'est moins intéressant, je trouve. Je n'ai plus de place dans mon inventaire, hop. Tu me saoules, espèce de chat là. Tu me saoules en fait, voilà. Tu me saoules à être gourmand comme ça là. Que mardi tu peux faire un LG sub? Eh, mardi je suis pas là, mon ami. Mardi je suis à Paris pour un tournage, donc non. Mardi je suis à Paris toute la journée et toute la soirée. Enfin, la soirée, je suis dans le train, quoi, le soir, donc non, c'est mort. Regarde ce que j'ai dit, Gil. Tu lui donnes tout d'un coup et vite. Il me semble que ça marche mieux si tu le fais en une fois. Ah ouais? Faut pas que tu le manges pour les achievements, le poisson globe? Si, en soi, ouais. Faudrait, ouais. C'est long un peu quand même. Tu comptes en faire une série YouTube ou pas? Pas une série, mais une seule vidéo, ouais. Une seule vidéo, ouais. Tournage de qui? De moi. Pour ma chaîne. Tournage avec qui? Avec Disco Zombie, donc Mathéo, Chocapic, Dandan, Lapin, donc tous les développeurs des Guild Games, Matox, Omega, Martin Ponk, Vjap, ST, Noctis. On peut y aller, hein. Luzord, Jimmy. On peut y aller, hein, si vous voulez. Hein. On peut y aller. Hein. On peut faire la liste. Hein. Donc, beaucoup de monde, ouais, c'est ça. Et j'espère Lulu, t'es prêt. Hein. Ça va être une journée. On va bien enchaîner. Hein. On se lève à 6h30 du matin. Là. On va rentrer à minuit 30. Pour tous les achievements, c'est réellement possible de faire Furious Cocktail avec un demi-cœur? Oui, bien sûr. T'inquiète. Hein. Peut-être avec Pierre, ouais. Peut-être avec Pierre. Parce qu'on lui en a parlé. Pierre, il m'a dit, oh, peut-être je passerai. Mais bon, on verra. Bon voilà, je préfère pas l'inclure dedans parce que Pierre, je le connais. Hein. Pierre, il va me dire, ouais, en vrai, ouais, peut-être. Oh, je sais pas, on verra. Mais il veut vraiment pas le frérot, le chalin. Pour le documentaire des GG. Exactement, ouais, c'est ça. Pour ça, ouais. Pour parler des Guild Games, ouais. Tout à fait. Tu as hâte pour la prochaine saison de Demon Slayer? Ouais. Ouais, j'aime bien Demon Slayer. J'aime bien. Combien de succès il reste à faire? 21 exactement. J'ai rien dit les gars. Trop cool l'ambiance. J'ai rien dit. Non mais frérot, en fait, on veut bien être gentil, tu vois, mais au bout d'un moment, là, va falloir s'apprivoiser, là, au bout d'un moment. Hein. Va falloir venir, tu vois. Chat, on a une date pour l'entraînement des piliers? Pour la prochaine zone Demon Slayer? Je sais pas. Je pense pas, hein. Est-ce que tu testeras Palworld? Peut-être. Pas sûr, peut-être. Dès que tu réussiras ce que tu fais, donne-lui un combien tête claque et brûle-le dans la lave, ce petit co. Ouais. Oui. Ouais, j'ai pas tout compris, mais ouais, on le fera, ouais.
T'as 3 poissons blob. Il prend le gros poisson aussi? Ah ouais? Ah non, il est pas fou hein. Il les prend pas hein. L'eau du shader est incroyable, ouais, ouais, mais le shader entièrement est incroyable. Hein. Le BSL shader, il est magnifique ce shader, je trouve. Il est magnifique. Jusqu'à quelle heure tu lèves? Jusqu'à 23h30 à peu près, minuit. Sauf que là, dans 10 minutes, on va aller faire le loup-garou. Donc j'espère que le chat aura décidé d'être moins chiant d'ici 10 minutes et de pouvoir éventuellement, je ne sais pas, peut-être, voilà, vouloir être très coopératif, quoi. Parce qu'on va bientôt devoir partir dans 10 minutes, là, hein, pour aller faire le LG. Donc bon. Tu vas faire quoi après avoir fini tous les achievements? Bah après j'ai fini hein. Une fois que j'ai fini le monde, moi j'ai fini mon défi, donc après on verra hein. Soit je me ferai juste une petite base, voilà, ça je vous le dis, je me ferai peut-être une petite base, un truc un peu stylé, vous verrez, voilà, petite base un petit peu sympa, mais c'est tout quoi, voilà, je... Voilà. Voilà, voilà. Laissez ce chat tranquille, ne le brusquez pas, je lui ai donné 14 poissons quand même là, hein. 14 poissons. Il mange hein ce chat, hein. 14 poissons. 14. Alors 1, 2, 3, je veux bien, tu vois, mais 14. Il a faim, hein. Ah, Nono, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que tu vas aimer le best-of. Hein. Pour ceux qui vont aller le voir, j'espère que vous allez l'aimer. Franchement, on s'est donné pour celui-là, donc ça fait plaisir. Bah, comme la vidéo citée, hein, finalement. On se donne tout le temps, en fait. Hein. Voilà, hein. On se donne tout le temps, les gars. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Pour toutes les vidéos, on se donne à fond. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Mettez un like, évidemment, ouais. Bon. Oui. Wouhou. Merci le chat. Oui, brrr, tu peux ronronner. Et voilà. Merci à tous. Très heureux. Hein. Très 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 heureux en tout cas. Ça fait archi plaisir. Bon alors, maintenant il faut qu'on attende la nuit pour avoir des slimes. Et là, on a un souci, mesdames et messieurs. J'ai regardé une seconde déjà des barres. Hyper JPP, ouais, non, ouais. J'ai mis un très bon clip en premier. Ouais. J'ai mis un très bon clip en premier, ça m'a bien régalé. Hein. Ce clip-là, il est vraiment exceptionnel déjà. Bon, bah, on va attendre des slimes, hein, les amis, parce que du coup, il nous faut la blinde de slime ball maintenant. Donc voilà, on va se faire plaisir maintenant. On va se régaler et on va s'occuper. Alors le truc, c'est qu'il me faut plein de slime ball pour pouvoir également faire plein de laisse. Parce que du coup, il me faut des laisse pour les grenouilles. Sauf que du coup, je crois que la laisse, c'est quoi? C'est comment? C'est un fil et une slime ball ou c'est deux fils? Ou deux slime ball peut-être, je ne sais plus. T'as fini le truc des chats? Non, j'ai pas fini le truc des chats, mais j'ai fait le chat noir, donc déjà, c'est plutôt pas mal, parce que c'est mon cinquième chat, il en faut encore 6, mais après on sera bien, tu vois. Donc bon. 4 fils, une slime ball. Ah, c'est pénible un peu, hein. Ah, c'est pénible, ça veut dire qu'il faut que je tue la blinde d'araignée, quoi. Ouais. Ok, bon bah on va se faire ça, hein, écoutez, hein. On va se tuer la blinde d'araignée, et puis voilà, tranquillou, quoi, hein. Comment je fais? LG Group Mafia ou Best Of? LG Group en live direct. Eh, surtout que le Best Of, tu peux le regarder n'importe quand. Demain, normalement, vous savez... Bon, demain, peut-être que demain soir, je streamerai pour faire le live que je suis censé faire mardi, normalement. Peut-être que demain soir, je liverai. Mais voilà, on verra. Hein. Pourquoi t'as enlevé l'intro des Best Of dans ton dernier Best Of? Parce que j'en le mets plus depuis 2-3 Best Of, déjà. Ça fait un moment qu'on le met plus. C'est vrai qu'en soi, si je tue le chat, ça me drop du fil. C'est vrai ce que vous dites, hein. C'est vrai, merci. Ça fait un fil de plus, déjà. Merci pour le riz. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, hein. C'est vrai, vous avez raison, hein. Merci, tante licorne. Merci beaucoup. C'est vrai, ça fait des fils, hein. C'est vrai, moi, je réfléchis que en... Est-ce que c'est rentable ou pas? Le retour du masque.